Nous sommes le 27 juin 2000 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Au début de cet épisode, Christophe de la Grand Combe nous apprend qu'il compte participer à la manifestation organisée par José Bové à Millau après le démantèlement du McDonald's dans le but de lutter contre la mondialisation. Avec Marc d'Avignon, Jean-Claude de Brouillat, Stéphane de Millau, Jean de Bourdeaux et Michel d'Agen, nous élargirons le débat sur la responsabilité du consommateur face à la malbouffe et la légitimité de ce type d'action violente face à la démocratie. La fin justifie-t-elle les moyens ? En cette année 2000, Maurice nous parlait déjà de ses craintes de nous diriger vers une société de plus en plus violente et irresponsable. Aujourd'hui, en 2023, cet épisode résonne de manière particulière. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Voici Christophe de la Grand Combe, il a 33 ans. Je te rappelle, toi qui es chez toi, mon numéro de téléphone exceptionnel pour ce soir, 01 56 36 4 x 0. Pour faire riche. Vas-y, fais un petit essai pour voir. Vas-y, fais-le pour voir là. Vas-y, fais 01 56 36 4 x 0. Vas-y, fais-le pour voir là. Vas-y, vas-y. Oh ! Toi qui es chez... Vas-y, ah, quand même. Allez, vas-y, fais-le pour voir. Vas-y, 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 fais-le. Très bien, merci. Nous réitérons cet exercice à plusieurs reprises dans cette émission. Hein, merci, merci, très bien, maintenant, ça va. Christophe de la Grand Combe. Oui. Le français est con, c'est vrai. C'est vrai, et il le prouve, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres peuples cons. Mais ils essaient de ne pas le montrer. Alors que nous, notre force, c'est ça. Il y a des gens qui se sont engouffrés dans la brèche ouverte par, par José Bové. Je sais pas, en fait, toi, par exemple, bon, toi, tu leur expliques rien à tes enfants, mais bon, imaginons que tout d'un coup, ça te prenne et que tu aies envie de leur expliquer quelque chose, ça va être très difficile de leur dire... le samedi qu'on va manger chez McDonald's et que le dimanche on va lutter contre la mondialisation en allant manifester contre McDonald's. Là, ça va être un peu compliqué. Enfin, pas pour toi, Christophe, tu penses bien. Mais enfin, pour quelqu'un quelqu'un qui essaie de, je sais pas, d'offrir un fond de logique à ses enfants, enfin, le môme, ça doit lui brouiller un peu la tête, quand même. Et en plus de ça, lui expliquer que quand on n'est pas d'accord ou quand on veut lutter contre la mondialisation, il suffit d'aller défoncer un chantier. Si tu veux, c'est pas fait pour qu'il y ait du calme sur les parkings, ça non plus. On a l'intention d'y aller pour ça, hein, vraiment. J'en sais rien, moi. Je sais pas pourquoi on a l'intention d'y aller. Mais ce que je sais à un moment, c'est que le résultat, c'est que les mecs ont défoncé un chantier, qu'on a applaudi les deux mains, et qu'après ça, tout le monde est allé faire banquet chez McDonald's. Donc, si tu veux, à un moment, ça ne, tu vois, ça ne va pas. Et c'est la France de ce pays, enfin, ce pays extrêmement violent et sans tronche, où effectivement, quand on a quelque chose à dire, on pète tout. Alors c'est acceptable quand on est José Bové, mais c'est pas acceptable quand on s'appelle Marcel Dugenoux et qu'on habite à Vaux-en-Velin. Alors là, quand c'est Marcel Dugenoux qui fait ça, on dit « ouah, c'est les banlieues sensibles, c'est les machins, je sais pas quoi ». Ouais, d'accord, parlons comme ça, causons comme ça, à coups de grenade, de bombes, puisque c'est quand même, c'est ça, c'est ce qui se passe chez nous. Quand les gens ne sont pas d'accord, ils se groupent, ils crient, ils tapent, ils défont ce qui généralement... ce qu'on a fabriqué. Non, moi, je m'imaginais pas du tout ça. Je pensais qu'il avait quelque chose à dire de bien précis, et puis d'organiser, je sais pas moi, un vote sur un texte. Mais non, mais Christophe, un vote sur un texte, non. Ce sont des gens qui ont défoncé un chantier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui voudraient nous expliquer qui sont comme les terroristes en fait. Comme les terroristes basques, comme les terroristes corses, les bretons, pour ne citer que ceux-là, qui, à un moment, parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils voudraient, qu'ils voudraient être entendus et que l'on considère que ce qu'ils pensent est bon, ils pensent qu'à coup de bombes, de masse et de je sais pas quoi, d'explosifs, que l'on peut être entendu.
Mais le jour où le jour, donnons le pouvoir à ces mecs-là, donnons le pouvoir à un José Bové, quand on va pas être d'accord avec lui, il va faire quoi? Ce monsieur-là qui quand il est pas d'accord, va défoncer les symboles et les machins, les trucs, il va faire quoi quand c'est lui qui aura la parole et qu'on va décider que oui, qu'il a raison, qu'il faut aller contre la mondialisation et qu'il faut dire au père du genou que finalement, le jambon beurre, c'était extrêmement bon et qu'il faut aller le consommer dans les troquets? Ils sont ouverts, ils existent aujourd'hui, le jambon est dans le frigo et le pain est chez le boulanger, on peut les faire tout de suite. Bon, les gens ne le font pas. Quand on va donner la parole à ces mecs-là, quand on va dire à José Bové, d'accord, t'as raison, on va faire comme tu veux. On va dire aux mecs, aux Américains, on va leur dire merci beaucoup pour vos McDonald's, on les déconstruit, merci et on va faire notre vie. Mais quand on sera pas d'accord avec José Bové, quand on sera pas en accord avec ce mec-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va faire comme il fait. Il va venir avec une masse et des potes et il va défoncer la maison de celui avec contre lequel il est. Et il va faire quoi? Faire péter l'immeuble de celui qui n'est pas en accord avec lui et qui va faire ses petites affaires dans son coin? C'est à ces gens-là qu'il faudrait donner du pouvoir, du crédit? C'est ces gens-là qui voudraient demain mener le pays? Ouais, d'accord. Alors si on a un José Bové, je dis d'accord, bravo et en avant aux Corses, aux Basques et à la fange terroriste des Bretons, je dis banco, allons-y, parlons-nous comme ça, coup de grenade, de plastique, de machin. Quand t'es pas d'accord avec un truc, tu cherches pas à discuter, tu cherches pas à faire comme tous ceux, comme McDonald's s'est imposé chez nous. Ces mecs-là, on peut tout leur reprocher, moi je suis pas consommateur de ce qu'ils font. On peut tout leur... Ah là, elle pleure là maintenant. Elle pleure, ça c'est pas de ma faute par contre. Mais c'est sans doute parce que j'ai dit McDonald's. Ça les fait pleurer les enfants s'ils ont pas le cadeau, je pense. Tu es pas contente, hein? Oui. Pas contente. Je veux dire, ces gens-là, ces businessmen internationaux, ils sont venus chez nous s'installer à la loyale. Ils sont venus avec un permis de construire. Ils emploient les gens de chez nous, du terrain, c'est-à-dire qu'ils donnent du boulot quand même dans le coin. Ils proposent à tous ceux qui ont envie de venir bouffer chez eux, de repartir avec un jouet, tout ça. Ça fonctionne. C'était totalement loyal. Ils sont pas venus avec des grenades. Ils ont pas fait péter les fermes. Ils ont pas explosé les cafés. Ils sont venus, ils se sont installés. Ils ont pris un risque commercial. Ils avaient une assise financière qui leur a permis de s'installer partout dans le pays. Mais ils l'ont fait normalement. Ils l'ont fait comme le veut la démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect de l'autre, etc. Et nous, la réponse à ça, nous, dans notre pays, la réponse, c'est la masse et l'explosif et le coup de pied à 40. Non. Je dis non. On est devenu ça. Notre pays, les gens de chez nous sont devenus ça. Des mecs qui parlent avec des masses et des explosifs. Et on les applaudit, on dit bravo, c'est super. Alors pourquoi est-ce que José Bové, lui, il aurait le droit de déconstruire un McDonald's parce qu'il veut faire des symboles et des machins, que c'est des trucs qui ont germé dans leur tête et qu'il considère que c'est comme ça? Et pourquoi est-ce qu'un autre mec qui a pas une place de directeur alors qu'il a rien branlé à l'école pourrait pas aller foutre le feu sur le parking de sa résidence? Pourquoi? Ah, je crois qu'il y a un problème. C'est... Pour quelle raison? Je voudrais que quelqu'un me donne une explication. Je veux bien, c'est vrai, on est parti pour être le pays à la traîne, le pays effrayant, le pays des imbéciles. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Qui a été l'instigateur, le moteur, le chef de file de cette façon de voir la vie, de cette manière de communiquer? Le monde entier nous donne des leçons. Nous allons donner des leçons dans le monde entier. Expliquer partout, expliquer en Afrique aux mecs qu'il faut pas faire je sais pas quoi. Aller en Yougoslavie, dire aux mecs, mais attention, si vous tuez les gens, nous, on va s'interposer. Et puis chez nous, on fait... on a quelques morts comme ça qui sont pris au hasard, mais pourquoi est-ce qu'on n'en arriverait pas à ça? Si on laisse le pays, si on laisse ces gens qui pensent que l'on peut dialoguer et exposer, imposer son avis à coup de masse et de bombes, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la loi du plus fort, c'est armons-nous jusqu'aux dents. Demain, si tu signes une franchise avec une marque de restauration allemande, et que t'as pas envie qu'on te défonce ton restaurant parce que José Bové est pas d'accord, je sais pas quoi, il faut faire quoi?
Il faut le laisser faire ou est-ce qu'il faut l'attendre avec des battes de baseball et se dire, tiens, les voilà, maintenant on se tape sur la gueule parce qu'on veut pas qu'ils cassent notre outil de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut, ou alors il faut tamponner les bons, dire voilà, certains sont autorisés en vertu de leur position de syndicaliste ou de représentant de mouvements inconnus, souvent inconnus du grand public en tout cas, donc ils ont le droit de venir chez toi, de défoncer ce que tu as choisi de ce que tu attends pour gagner ta croûte. Eux ont le droit et les autres n'ont pas le droit. Ou alors on le fait vraiment. Je suis d'accord, armons-nous jusqu'aux dents et battons-nous avec José Bové à coups de bâton. Maurice Radio Libre, 150 minutes pour causer, 0803-06-1727. Radio Libre. Maurice Radio Libre à Mâcon, 97.6. Très joli. Maurice, le sorcier des ondes est de retour. Tous les soirs. Radio Libre. Maurice est ici. Dans sa radio. 21h minuit. Radio Libre. Je sais, tu veux parler, mais c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Waouh! J'ai très très peur. T'imagines les mômes qui voient? T'imagines les mômes qui voient? Ils voient ça. Ils voient le pays entier en train de fêter un mec qui s'exprime de cette manière-là. Comment est-ce que José Bové va expliquer aux mecs, aux enfants, qu'il ne faut pas brûler les bagnoles sur les parkings, qu'il ne faut pas taper sur la gueule de celui avec lequel on n'est pas d'accord, qu'il ne faut pas se mettre à 50 pour défoncer un truc qui ne nous plaît pas. Comment il va l'expliquer, le José, ça? Il va faire comment? Est-ce que là, il va considérer que c'est qu'il y a celui qui peut se permettre et celui qui ne peut pas? Comment vas-tu décrypter l'événement? Toi qui vas aller manifester à Millau, Comment vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas dire aux enfants? Tu vas leur dire oui, il est contre la mondialisation, c'est ça? Mais c'est quoi la mondialisation, putain? Qu'est-ce que c'est la mondialisation? La mondialisation, c'est quand tu choisis, toi qui es chez toi, d'aller consommer des produits qui sont vendus partout dans le monde. C'est ça la mondialisation. Alors José Bové, il est contre la possibilité qui t'est offerte de choisir d'acheter, de mettre chez toi et dans ton ventre des produits qui sont vendus dans le monde entier. Alors toi, tu as permis à ces entreprises de devenir des monstres parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Pour que ces entreprises mondiales, planétaires, grossissent, il a fallu que, un à un, les consommateurs décident de jeter leur dévolu sur les produits de cette entreprise. Un à un. Tiens, regarde. Un exemple intéressant. McDonald's, Burger King. Burger King est une boîte américaine aussi, je crois. Qui est venue s'installer en France, qui fait de la restauration, je sais pas comment on appelle ça, de la restauration américaine. Qui était venu s'installer en France et faire concurrence donc sur le marché français, notamment à McDonald's. Et puis ça n'a pas marché. Parce que le consommateur français, apparemment, n'était pas séduit par l'offre planétaire de Burger King. Donc Burger King, il y a 2 ans, a repris ses valises et est rentré à la maison. Terminé. Pourquoi? Parce que les gens de chacune des villes dans lesquelles il y avait des Burger King n'avaient pas envie, pour des raisons que je ne connais pas, n'avaient pas l'envie d'aller consommer dans ces restaurants américains. Et comme ça ne marchait pas, ces affairistes américains se sont dit « Ce n'est pas la peine de dépenser tant d'argent à essayer de séduire ces gens qui
ne viendront pas chez nous. Et ils sont repartis à la maison. D'un autre côté, sur le même terrain, dans la même ville, les gens, les autochtones, les indigènes, ont choisi de consommer ce qu'il y a dans les restaurants McDonald's. Donc toi, qui écoute à cette heure-ci, tu as dit, tiens, pour notre petit repas, là, c'est très bien ce truc-là, on y va, on paye, on consomme. Tu as choisi, c'est toi. C'est pas Jacques Chirac, c'est pas Bill Clinton, c'est pas moi, c'est toi qui as choisi d'y aller pour des raisons qui te sont totalement personnelles. Je sais pas, tu aimes bien la couleur, la bouffe, je sais pas, la situation. Ce sont toutes des raisons. Tu as décidé d'y aller. Et il y a José Bové qui vient et qui te dit, en te montrant le restaurant dans lequel tu vas, tu as choisi d'aller, qui te dit, tu vas ça là, c'est la mondialisation. Et c'est pas bien. Et sous tes yeux, il prend une masse et il défonce le restaurant dans lequel tu vas avec tes enfants. Et toi, tu vas le soutenir. C'est ça qui se passe. Je sais que tu as du mal à comprendre ce que je te dis, parce que bon, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de combinaison gagnante. J'imagine bien que tu dois te dire, quand est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui a gagné. Enfin, si c'est pas de l'argent, c'est peut-être une bagnole. Il y a peut-être à gagner... je sais pas, il y a peut-être à gagner... Remarque, si tu te mettais à réfléchir, on serait dans la merde, mais... Enfin, si tu te mettais à réfléchir, José Bové n'existerait pas. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas cette fonction. Enfin, il n'aurait pas ce poste. Parce que c'est plus une fonction, c'est un poste. C'est plus un poste qu'une fonction, d'ailleurs. Parce que José n'arrive pas à t'empêcher d'aller manger les produits de Mars Food. José Bové n'arrive pas. Il n'arrive pas à t'empêcher d'aller samedi faire tes courses dans le supermarché, d'acheter... les produits planétaires. Il n'y arrive pas. Il est là, tu vas le soutenir, mais c'est juste avant d'aller faire tes courses ou juste après. Après avoir mis dans ton caddie les produits planétaires, tu rentres vite à la maison avant que ça se décongèle, tu ranges tout dans ta cuisine et paf, tu fonces dans ton automobile et tu vas à la manifestation pour soutenir José Bové. T'es quand même assez con, quand même. C'est vrai. Je dis, ah, c'est des démons. On dirait qu'on tourne un film. C'était ça l'an 2000. C'était ça l'an 2000. C'est l'année des débiles. Le siècle des idiots, c'est ça. Et il fallait bien qu'il y ait des cycles. Il y a eu le cycle de la réflexion, le cycle de la construction, le cycle de l'assise, de l'organisation, et le cycle des débiles. Voilà. Notre pays aujourd'hui est en plein dans le cycle des débiles. Regarde le ciel, c'est écrit. C'est l'ère des débiles, c'est pour les idiots. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas de bol, c'est juste au-dessus de notre pays. Ça aurait pu être ailleurs, chez les autres, non, c'est chez nous. Nous, on a tout. On a tout dans ce pays. Tout ce que peut souhaiter l'être humain, du bel air bien pur, des montagnes, du sable, de la plage, enfin tout. De beaux animaux... Et la connerie avec ça. On a des beaux animaux, on se planque dans le bosquet pour les tuer. On a une belle mer, on crève nos bateaux le long de nos plages pour les salir. Et on explique tous les jours à nos enfants qu'il faut tout casser, tout péter, se battre avec son voisin, lui mettre un coup de couteau dans le bide quand on n'est pas d'accord. Tu te demandes pourquoi, dans tous ces faits divers, il y a toujours un môme... qui a mis un coup de couteau à quelqu'un, pourquoi il y a toujours un jeune avec un pitbull quelque part? Parce que c'est ce que tu lui montres. C'est ça que tu lui montres. Tu lui montres qu'il faut pouvoir se battre. Pas se battre avec sa tête, se battre à coups de pied, à coups de poing, à coups de couteau, de revolver. C'est ça que tu lui montres. Bon, parce que pour se battre dans la vie, avec sa tronche, t'es pas un bon exemple. Tu te bats pour les 35 heures, autrement dit pour bosser... Encore moins. Wow. T'imagines? On est poussé par le souffle des 68.
Et après ça, on va bondir sur le cycle des 70. Waouh, ça va faire mal. Regarde-les, les 20 à 25 ans, là. Ouï, ouï, ouï. Comment ça fait mal. Mais c'est bien, José, montre-leur qu'il faut faire comme ça, mais méfie-toi. Parce qu'un de ces jours, ces gens viendront saccager ta maison. Ils te parleront comme tu veux parler au monde. Ceux qui ne seront pas d'accord avec toi viendront avec des masses pour défoncer tes bureaux et ta baraque. Ils feront comme toi et diront « On est contre l'anti-mondialisation. On veut pouvoir mettre des Nike, des Adidas, regarder la télévision par satellite. On veut pouvoir voyager partout dans le monde, manger des Mars et des lions. » On ne veut pas que tu nous forces à manger le chocolat local. On veut pouvoir manger le même que les Chinois. On ne veut pas avoir une bouffe à part. On veut bien partager avec les autres. On veut que dans nos magasins, il y ait un peu de tout. Que l'on puisse encore choisir. Et pourquoi pas que l'on ait en commun avec les Indiens la saveur d'une noisette, le regard sur une recette particulière. Que l'on puisse, même si on ne parle pas... Togolais, s'asseoir autour de la table ou s'asseoir par terre et échanger autour de cette paire de chaussures qui a fait le tour du monde. Contre quoi la mondialisation de quoi? De qui? Il fait quoi notre José Bové? Il ne cherche pas à être planétaire? Il ne cherche pas à être mondial? Contre la mondialisation, ce serait mettre en avant les produits de chez nous. Les produits de chez nous, c'est quoi? C'est la masse et l'explosif. Je crains malheureusement qu'on ne puisse montrer que cela. Il ne se passe plus rien chez nous. Lorsque l'on parle de notre pays à l'extérieur, c'est pour ça. Ce type-là nous fait une réputation horrible. Le McDonald's de Millau sera fermé pendant le procès. Waouh. Comment j'ai honte, putain. Le monde entier est au courant. Maurice, radio libre, c'est du rock. Rien que du rock. Rien que du rock. Maurice, radio libre. Oh, c'est pas si c'est un garçon ou une fille. Quelle que soit l'entreprise qui existe et qui crée quelque chose ou qui modifie quelque chose, il y a une taxe. L'État intervient surtout. Non, mais moi, je voulais qu'on voit l'aspect valeur ajoutée. C'est quoi le dossier de ce soir? Tu me mets au jus? C'est une mission, je la trouve géante, parce que justement, elle nous permet de nous exprimer, d'échanger des idées. Alors, qui voilà, je te prie. Allô, bonsoir, Cédric, 24 ans, New York. New York, aux États-Unis. Oui, exactement, exactement. Je voudrais te poser une question. T'as passé dans ta vie dans les livres ou quoi? Parce que si on te serrerait, tu aurais un sans dents, quoi. Ouais, t'aurais un buveur. J'ai pas compris, j'aurais quoi? Faudrait un buveur. Faudrait un buveur, mais qu'est-ce que là? Un buveur pour le sans dents. Non, mais c'est juste comme ça, tu sais, c'est jamais mon particulier. 08 36 68 71 17. Comme dit Claude de Bègue, ou passe d'argent. Maurice, radio libre. Alors, t'y étais? Lundi peut-être. www.maurice-radio-libre.com. Écoutez, regarde l'émission en direct. www.maurice-radio-libre.com. Trouve le prix du billet pour la destination de tes rêves. www.maurice-radio-libre.com. Une fois sur place, tu peux toujours écouter et regarder l'émission en direct. www.maurice-radio-libre.com. Le site officiel. Je te dis cette info. Le McDonald's de Millau
restera fermé pendant la durée du procès vendredi et samedi, dans un souci d'apaisement et de sécurité pour la clientèle et le personnel, a annoncé hier soir son gérant, Marc Dehany. Ou Dehany. C'est-à-dire que on est arrivé à un stade où tu as des gens qui, pour des raisons, une espèce de folie qui se passe dans leur tête, qui viennent avec des masques, qui défoncent un chantier. Le chantier d'une entreprise. Un restaurant. Finalement, le restaurant se monte, il est ouvert, les gens qui habitent dans la ville vont consommer dans cette entreprise, ils vont dans ce restaurant. Le McDonald's de Millau, les gens vont bouffer au McDonald's de Millau. Mais les gens y vont. Et arrive le procès de ceux qui ont défoncé le restaurant au moment où ils tentaient de sortir de terre. Et là, on est obligé de donner des vacances aux gens qui devraient travailler. Il y a une législation, des heures, des machins, des trucs. L'entreprise est obligée de prendre sur elle, de faire cadeau de leur journée à tous les salariés. J'espère pour eux qu'on considérera que c'est une journée de vacances et qu'on les paiera normalement. On donne à tous ces gens, donc, on leur dit, vous restez chez vous parce qu'on a peur. C'est chez nous, c'est dans notre pays que ça se passe. Le restaurateur est obligé de fermer parce qu'il a peur. Il va y avoir le procès des casseurs. C'est ça la France d'aujourd'hui, la France de l'an 2000, c'est ça. Voilà. On est parti sur un truc qui est une incitation à la violence. C'est une incitation à la violence. Qu'est-ce que je vais faire, moi, quand José Bové va trouver qu'un truc qui me plaît... lui plaît pas à lui et qui va arriver avec ses potes et sa masse, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi je vais venir avec mes potes et mes bâtons et puis on va se battre. On va se taper dessus. Pourquoi est-ce que ce type-là pourrait faire ça? S'il y a un permis de construire, s'il y a une autorisation administrative, s'il y a toute la puissance d'une entreprise qui fonctionne bien et que tout est carré. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait venir et tout casser? Parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il... Quoi? C'est comme ça qu'il faut faire. Alors moi, je suis pas d'accord avec eux, ces gens-là, je fais quoi? Je vais au truc, là, j'embarque quelques potes, je vais au... Ah, attends, c'est quoi, José Bové? Je sais jamais ce que c'est, parce que on en a fait une star, mais... La Confédération Paysanne, c'est ça? Non. Mais bien, je sais même pas. C'est quoi, José Bové, c'est là, c'est quoi? Je sais pas. Syndicat, agitateur, traversé, machin truc. Spécialement, quoi? Mais non, je suis en train de parler, qu'est-ce qu'il m'emmerde, lui, là? Je crois que c'est la Confédération Paysanne. Je suis pas sûr, hein. Non, moi, si je suis pas d'accord avec les gens de la Confédération Paysanne, je compte combien ils sont sur le site. Pas s'ils sont 10, je trouve 10 potes. S'ils sont 15, je trouve 15 potes. S'ils sont 100, je trouve 100 potes. On descend là-bas et on pète tout. On leur tape sur la gueule. Voilà. C'est ça le nouveau truc. Et puis toi, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais pareil. Puis si tu n'es pas d'accord avec... Avec un prof, tu lui tapes dessus. C'est pas ça qu'ils font, les mômes? Est-ce qu'on se demande d'où ça vient? Ça vient de ça. Des nouvelles stars. On nous montre en permanence des gens bien propres sur eux, qui n'ont aucun sentiment. Même leurs sourcils ne bougent pas quand ils te parlent. Tu sais, ton journaliste préféré, quand il te parle à Téloche, même son visage était tellement inexpressif, si tu veux, que ses sourcils ne bougent pas quand il parle. Alors que, bon, généralement, si tu veux, c'est... C'était les cyborgs qui étaient comme ça dans les films d'anticipation. Mais maintenant, ils sont comme ça, les mecs. On nous a fait des très jolis, avec de très belles phrases, où tout le monde est gentil, joli. Et sur le terrain, c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat? On se tape dessus? On fait quoi? On se groupe? Tous les mecs qui pensent comme moi,
On se met dans un coin, ceux qui pensent comme toi se mettent dans un coin dès qu'on n'est pas d'accord. On pète tout, mais ça existe. C'est les bandes. Les bandes, c'est ça? Alors c'est vrai que les bandes sont rarement passées à la préfecture pour demander l'autorisation d'exercer. C'est-à-dire que les bandes ne reçoivent pas de financement, d'argent qui vient de nos impôts pour qu'elles puissent vivre. Les bandes ne se financent pas comme ça. Mais tu vas me dire, les bandes ne pèsent pas de tout leur poids sur la collectivité. Les confédérations, les machins, les trucs, tout ça, ça prend des subventions de l'État. C'est-à-dire qu'on prend de ton fric, de ton blé, pour donner à ces gens qui ont une nouvelle façon de voir la vie, une autre manière. À choisir, mieux vaut les bandes de casseurs, qui cassent pour le plaisir, pour le sport, sans vouloir nous pourrir la vie ou nous donner de leçons. Elles cassent parce que c'est sans doute pour ces gens, ces casseurs, agréables d'entendre exploser une vitrine, de ramasser un survêt pour le porter, parce qu'il est beau. Les bandes, c'est ça qu'elles font. Moi, à choisir entre celui qui voudrait du pouvoir, qui fait comme les casseurs, et les casseurs qui veulent des survêtes, je préfère les casseurs. Bon, parce que le casseur, quand il a arraché... je sais pas moi, 20 survêtes, c'est bon. Il a de quoi se vêtir pendant un mois et il arrête au moins les survêtes. Et puis c'est bon, on peut se dire, tiens, il faudrait qu'on ait 500 survêtes parce que les casseurs vont en ramasser. Terminé. Mais ils ne chercheront pas à gouverner le pays ni à nous rentrer de nouvelles idées dans la tête. Je préfère les casseurs à ces gens-là. Ça n'engage que moi ce que je dis là. Je préfère 100 fois parce que le casseur est pur. Dans la réalité, son fond est meilleur que celui de ces gens. Parce que le casseur ne te dit pas « Viens, viens avec moi ». Il ne te dit pas ça, le casseur. Il dit « Pendant que vous êtes en train de gueuler, de tout péter, on en profite. Pendant que vous gueulez, que vous vociférez pour tenter d'imposer votre idée ou manifester votre mécontentement, ben nous, on va péter les vitrines, on va ramasser quelques trucs. » Mais le casseur, il se bat pas avec toi, il te tape pas sur la gueule. Il arrache 3 saloperies et il t'empêche même pas de bosser. Même pas, le casseur. Le casseur, il fait travailler les CRS, il fait pas sa victime. Quand on l'attrape et qu'on lui dit « alors ils sont où les survêtes ?» Bon, au bout d'un moment, il crache le morceau, il en reste 3-4 qui sont pas encore vendus au marché noir. Il les donne et puis voilà. Mais lui, là, José Bové, il fait quoi? Lui? Et il va dire aux gens du monde entier qu'il faut avoir peur de venir chez nous. C'est ça qu'il va dire au mec. Il va dire, attention, moi, quand je suis pas d'accord, je défonce tout, hein, je casse tout avec mes potes. On détruit tout. C'est ça qu'il va dire dans le monde entier, ce mec-là. Et nos journalistes, la bouche en cœur, vont le photographier et dire, vraiment, c'est super, bravo. Extraordinaire. On a de la chance, il y a une personne à Millau. Au moins, quoi elle s'appelle? On en a une. Une qui tu... Moi, tu dis... peut-être que grâce à elle, une partie de la population comprendra qu'on ne peut pas faire comme ça. Elle s'appelle Nathalie Marty, elle est juge d'instruction à Millau. Il y a au moins une personne, tu vois, qui se dit « Normalement, le pays ne marche pas comme ça. » Il y a une personne qui s'est dit en... Peut-être qu'il n'est pas bon que l'on parte dans cette démarche, dans cette façon de faire. Sans Nathalie Marty, José Bové aurait brisé le truc, là, puis c'était bon, il rentrait chez lui, le mec. Non, il était en vacances à la Cano, à la plage. Le mec, il défonce tout, puis après, il va à la plage. Se baigner. C'est super, non? Eh bien oui, c'est détendu. Alors, heureusement, sur sa route, il y a quelqu'un qui te dit, ouf. Finalement, il nous reste quelques lois que même José Bové sera peut-être obligé de respecter. Waouh. J'en reviens. Heures.
plus que 120 minutes pour causer. 0803 07 17 27. Maurice. Le sorcier des ondes est de retour. Dans ta radio à toi. Je veux dire, cette personne qui parle avec moi sur notre site internet www.maurice-radio-libre.com, que moi je ne suis pas un révolutionnaire, non. Non, je dis que ça, je sais, chacun d'entre toi, on t'a expliqué que c'était très très important d'être révolutionnaire. Moi je suis pour qu'on essaie de suivre les règles qu'on a déjà du mal, enfin qu'on a écrites et qu'on a du mal à suivre. Je pense qu'il sera meilleur pour l'équilibre des plus jeunes. Enfin, moi, je sais me défendre. Je pense qu'il serait meilleur pour l'équilibre des plus jeunes d'entre nous que l'on essaie de poursuivre dans la voie imprimée par nos arrière-grands-parents, ceux qui ont essayé de nous donner tout ce qu'il fallait pour que l'on ait toutes nos chances de vivre longtemps. Et ils nous ont expliqué qu'il n'était pas bon de dialoguer à coups de massue. Ils nous ont dit qu'il allait mieux faire sans doute avec notre tête. Et là, on a le retour des crétins, de ceux qui pensent qu'on peut s'exprimer comme ça et imposer son avis à coups de pied et à coups de poing. Je les déteste, moi, ces gens. Je les déteste. Engueulons-nous, parlons fort. Mais quoi ? Avec des bâtons, des trucs, casser des machins parce qu'on n'est pas d'accord, parce que on a décidé que la mondialisation c'était pas bien. Et puis dans le même temps, on fonce à l'autre bout du monde pour se montrer à la planète entière. Elle est où la logique là ? Quoi ? José Bové fait tout ce qu'il peut pour devenir un produit planétaire. Pour imposer son avis de par le monde. Et son avis, c'est d'empêcher les industriels qui te donnent le choix. Sans te taper sur la gueule. D'empêcher les industriels de faire comme lui, mais en plus démocratique, quoi. En plus ouvert. Voilà, j'ai fait des yaourts, si ça t'intéresse. Ils sont vraiment très très bons. Je fais tout ce que je peux pour que tu aies envie de les bouffer. Ah, lui, ça se passe pas comme ça avec lui. Ça se passe pas comme ça chez José Bové. Chez José Bové, s'il t'aime pas, il t'attache sur ta chaise et il te le fait avaler. Super. Très joli. Ouais, je sais, tu veux parler. Ouais. Alors, qui va là, je te prie. Ouais, salut, c'est Marc, 30 ans d'Avignon. Ouais, Marc. Donc, moi, j'irai le 30 juin à Millau avec des copains. Donc, je voulais te dire déjà qu'il y avait une différence quand même entre ceux qui allaient à Millau et les consommateurs McDonald's, puisque moi, je consomme pas à McDo. Donc, c'est pas forcément, on peut être d'un côté et de l'autre à la fois, mais bon, t'as raison quelque part. Hein. Je pense que les Français sont assez facilement influençables. C'est quoi ton téléphone ? Pardon ? Ton téléphone, c'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi ? Ouais. Non, comme ça, pour savoir. C'est un téléphone fixe, normal. Hein. Ah ouais ? Ouais. C'est un téléphone quoi ? Fixe. Fixe. Oui, enfin, c'est pas... tu veux la marque, hein ? Ouais. Télécom. Quoi ? France Télécom. Non, la marque du téléphone, ça, c'est la marque de celui qui le met à ta disposition. Oui. Mais la marque du téléphone. Bon, je vais pas t'embêter avec ça. Oui, oui, bah, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est que quelque part, il a dû être fabriqué par les Américains. Par les Américains, les Chinois, les... Je sais pas qui. Mais on est mondialisé aujourd'hui, si tu veux. Mm. Moi, ce qui me gêne dans ce que tu dis, c'est pas tellement... tu as raison sur le principe. C'est quelqu'un qu'on doit juger parce qu'il a fait une... quelque chose qui est antidémocratique. Mais d'un autre côté, quand on ne juge pas l'assassin d'un préfet en Corse, parce qu'on soi-disant on le retrouve pas, est-ce que c'est pas normal qu'on matraque tous sur un type qui a fait, somme toute, que bazarder un restaurant qui est en fait le symbole aujourd'hui de notre... Mais non, justement, Marc, parce que c'est 10 fois plus important. Il y a l'assassin d'un préfet, d'accord ? Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui a essayé de nous rentrer une nouvelle idée dans la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait tuer les préfets. C'est un type, un barjot, qui a tué un type qui travaille. D'accord ? Bon, ça, c'est donc une personne qui a commis un acte. Comme il y en a 50 000 par jour dans le pays. Et puis, à côté de ça,
il y a celui qui n'a aucune raison de faire ça, puisque on est dans un pays où tout le monde gueule tout le temps, où il y a des manifestations et des grèves. C'est permis, c'est possible, et ça fonctionne. Oui. Il pouvait faire ça. Oui, mais tu sais très bien que les Français ne manifestent plus. Mais si, les Français n'arrêtent pas de manifester. Moi, j'habite dans une ville, t'es à Paris. À Paris, il ne se passe pas une seule journée complète. Il ne se passe pas une journée où on te dit pas, là, maintenant, faut te dévier, faut partir à droite, à gauche, tourner pendant 20 minutes, quand c'est pas une demi-heure, pour essayer de faire ce que tu as à faire. Parce qu'il y a tout le temps, et en permanence, des gens en train de manifester. On manifeste tout le temps chez nous. D'accord avec toi, mais c'est une minorité par rapport à la masse des gens qui ne s'expriment plus. Mais non, attends, qu'une minorité de quoi ? Tout le monde a manifesté. Si tu prends ces 5 dernières années, tout le monde a manifesté. On a eu les éboueurs, on a eu les postiers, on a eu la SNCF, on a eu les avions, on a eu les routiers, on a eu les paysans. Quoi ? On a eu une partie à chaque fois de ces personnes. Mais attends, il y a quasiment tous les gens du pays ont manifesté, même les mômes qui vont à l'école, qui n'ont aucune fonction dans la société. Aucune fonction. On se prépare. Même eux ont déjà manifesté. Tous les mecs du pays ont déjà manifesté. Et tu crois que si demain tout le monde manifeste dans la rue en disant abat la mondialisation, donc déjà il faudrait que les gens comprennent que c'est nocif. Mais quoi ? Mais de quoi parlons-nous ? T'as pas besoin de manifester abat la mondialisation. Je m'emmerde de te donner l'exemple de Burger King. Oui, si tu veux. Burger King, justement, je connais l'histoire. Tu sais comment est-ce qu'il a disparu ? Non, Burger King a décidé. Incendiaire de McDonald's. Non, Burger King a décidé de se retirer du marché. Non. Oui, tout à fait. Attends, Burger King. Allô. Burger King a décidé de se retirer du marché français parce que les affaires n'étaient pas bonnes. Parce que McDonald's est une surpuissance. Que les affaires n'étaient pas bonnes. Pas parce que McDonald's, c'est parce que les gens de chez nous n'allaient pas dans ces restaurants. Mais c'est tout. Pas parce qu'on leur disait pas d'y aller. Peu importe. C'est un moment, Burger King faisait de la publicité comme tout le monde, faisait des produits, des machins, des trucs glacés que tu recevais, etc. Faisait comme toutes les marques, de Quick à McDonald's, en passant donc par Burger King. Ils faisaient leur pub, mais les gens, pour des raisons que je ne connais pas, boudaient l'enseigne. Donc ces gens-là se sont retirés. Si demain, tu ne veux pas que McDonald's existe, soit tu fais... Si tu considères que McDonald's n'est pas bon pour notre pays, soit tu le fais à la manière José Bové, c'est-à-dire que tu vas et tu fais exploser tous les restaurants McDonald's de France. C'est pas une façon de faire. Mais c'est pourtant ce qu'il fait. Il a fait un exemple parce qu'il habite à Millau. Si jamais il avait habité ailleurs, qu'il y en avait 3, il en aurait fait 3. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Non, c'est un symbole, Maurice. Mais non, ce n'est pas un symbole. Millau n'est un symbole de rien du tout. Millau, c'est pas la France a découvert que Millau existait parce que personne ne connaît Millau en France. Mais non, la France ne s'est pas réveillée. C'est pas ça, se réveiller. Réveiller, c'est... Mais non, mais se réveiller, c'est casser des trucs. Oh, attends. Ce qui va se passer à Millau, je suis désolé, sur 2 jours, Maurice, c'est pas du tout soutenir José Bové. Mais si, c'est soutenir José Bové, bien sûr, c'est ce que tu vas faire, Marc. Je vais y aller contre la mondialisation. Mais tu n'as pas besoin de te déplacer pour lutter contre la mondialisation. Tu as simplement à te dire, quand tu vas faire tes courses, que certains produits, si tu considères... Oui, mais les autres, non. Mais attends, vous allez faire quoi ? Vous allez aller soutenir un mec qui dit contre la malbouffe et le lendemain aller faire vos courses à Carrefour et acheter des produits mondiaux. De quoi tu me parles là, sans déconner ? Personnellement, mais bon. Oui, moi je sais, toi, non, mais les mecs qu'on a au téléphone, c'est toujours comme ça. Ils vont jamais truc, ils regardent jamais la téloche, ils sont oh là là. Oui, oui, mais par contre, José Bové, tu vas y aller parce que. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais bien sûr que si, que tu as le choix, bien entendu. Il propose quoi, José Bové ? Il te dit de plus bouffer ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ben j'imagine que si José Bové fait tout ça, c'est parce qu'on doit pouvoir nous proposer autre chose. Absolument. Eh ben alors, ben vas-y, va. Ne dis pas que tu n'as plus le choix. Puisque d'après le type que tu vas soutenir, il y a le choix, il y a la possibilité. Lui... c'est qu'il y a un retour possible en arrière. Voilà, et ce retour possible en arrière, il a commencé à nous le faire vivre à coup de masse. Le retour possible en arrière, c'est défoncer les trucs, c'est... Quoi ? Tu vas te braquer là-dessus, mais tu n'auras pas raison. Il a jamais dit qu'il fallait fracasser tous les McDo de France. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il en a fait un. Il n'a pas dit qu'il avait fracassé. Ben oui, il en a fait un. C'est vrai, tu peux aussi ouvrir le ventre d'un mec... Tu peux lui ouvrir le ventre et à ce moment-là dire « Je ne veux pas qu'on me mette en prison parce que je n'ai ouvert le ventre que d'un seul mec. »
Ben, tu sais ce qu'elle fait, la société? Normalement, elle se dit, ce type-là, s'il a ouvert le bide d'un mec, il peut ouvrir le bide de 10 mecs. Et je vais te dire autre chose. Lorsqu'un môme est attrapé au pied d'un immeuble en train de foutre le feu à une bagnole, tu sais ce qu'on fait? On le fout en tôle. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se dit que s'il a foutu le feu à une bagnole, il pourrait foutre le feu à 50 bagnoles. Et lui, là, pour lui, qui serait, je ne sais pas, c'est ton nouveau bon Dieu sans doute, lui, quand il défonce un McDonald's en t'expliquant que c'est pour lutter contre quelque chose, c'est pour lutter contre un état d'esprit qui correspond à ce que tu fais, toi. Lui, là, tu dis, ah, mais non, il a fait qu'une fois. Alors bon, remettons-le en liberté. Moi, j'en veux pas, moi, de cette France. Non, pour moi, c'est la France des gros cons. Il va subir les lois de la législation française. Mais parce qu'il y a un juge, un seul. Parce qu'il y a... Non. Parce qu'il y a un juge qui s'appelle Nathalie Marty qui a fait quelque chose. Parce que les mecs du pays, ils sont... Mais non, allô. Parce que les mecs du pays, ils sont comme toi, Marc. Ils sont comme toi. Ils sont d'un côté en train de dire, dans la même phrase, je pourrais te le faire réécouter, ce que je viens de faire, ils sont capables de dire dans la même phrase qu'on n'a pas le choix, mais qu'en fait, on l'a. Parce que c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de dire, mais non, on n'a pas le choix. Et après, je te dis, mais José Bové, j'imagine qu'il ne dit pas qu'il faut arrêter de bouffer. Ben, tu dis, mais oui, mais c'est pour nous montrer qu'on peut aller ailleurs. Ça veut dire quoi? Quand il y a des petits-enfants, quand il y a rien dans la tronche, ce mec-là est en train de te montrer que t'es un pauvre type, que t'as rien dans la tête, et t'es d'accord, tu vas le soutenir? Merde, alors! Deviens intelligent, c'est plus simple! À un moment, prends une chaise, essaie de regarder ce que tu fais. Prends 2 secondes et dis-toi, tiens, je suis en train de dire quelque chose, je vais l'enregistrer pour le réécouter, pour être sûr que c'est bien ce que je voulais dire. Moi, je parle pas pour moi, je parle pour les... Non, parle pour toi. Non, ne parle pas pour les autres, Marc. Parle pour toi. Tu n'es le représentant de rien. Et José Bové, j'espère, n'est le représentant de personne. Ce sont des mecs comme ça qui nous feront la guerre civile dans le pays. Parce qu'un beau... Sont pas quelque part, mais arrête avec les États-Unis, Marc. Ne bouge pas. Exactement l'équivalent. Ne bouge pas, je reviens. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock, rien que du rock. Maurice. Some people call me Maurice. Radio Libre. Est-ce que Maurice? Le mix. Some people call me Maurice. Putain, là-bas, regarde, il y a Jesus, il est là. Super, ça c'est bon, ça. C'est les vacances en ce moment. Il y a le pape qui a fait une truc, qui a fait un mea culpa. Et hop, ça y est, Jesus, il apparaît. Il était générique tout ça. Voici John Doe, dans ta maison en stéréo. Alors, ça pèse 250 grammes. C'est très peu. Qu'est-ce que c'est? Un gros cahier. Un gros cahier, c'est pas un gros cahier. Un gros cahier, c'est une sorte de livre, tu vois, mais avec rien que des pages blanches dedans. Je l'ai! C'est bon ça. Ouais, yeah! Radio-Libre. Alors, t'y étais? Demain peut-être. Des messages sur le 08 36 68 71 17. 923 TTC, la minute. C'est très particulier comme réflexion. Voici Marc, il habite Avignon, il a 30 ans. Il est là, Marc? Ouais. Il y a quelqu'un qui veut te parler, est-ce que tu acceptes? Oui, bien sûr. Il a dit oui. Il a dit oui. Alors, qui va là, je te prie? Oui, bonsoir. C'est Jean-Claude dans les Pyrénées Orientales, à Brouillard. Quel âge as-tu? 30 ans. 40 ans? Mmh. Ne bouge pas, ne bougez pas. Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Alors, qui va là, je te prie? Allô, oui, bonjour, Stéphane, 34 ans, de Millau, justement. Stéphane, je vais parler à propos de Beauvais. Oui, attends, Stéphane, tu ne bouges pas. La main à Jean-Claude de Broya. Vas-y, Jean-Claude. Oui. Oui, donc, je voulais intervenir, là. Je suis tout à fait de ton avis, Maurice, là. Parce que, bon, je pense que... moi, à titre personnel, bon, à la maison, moi, je fais des... moi, je fais des choses assez naturelles. Donc, pas beaucoup de congelés, tout ça, mais bon, je pense que ça fait plaisir parfois aux enfants d'aller comme ça faire une balade et d'aller manger dans un McDo. Je suis pas forcément pour les McDo, hein, mais bon, de temps en temps, je pense que comme ça pour changer. Et je pense que tout le monde a fait comme moi une fois pour voir ce que c'était, la curiosité. Voilà. Oui, ça peut être une façon de voir. Ne bouge pas, Jean-Claude. La main à Stéphane de Millau. Oui, bonjour. Oui. Ouais, mais moi je voulais intervenir au niveau de Beauvais parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que Monsieur Beauvais, comme on l'appelle Monsieur Beauvais, hein, c'est une personne qui n'est même pas née dans l'Aveyron. C'est une personne qui est née en Amérique et qui est revenue en France dans les années 70.
Et c'est un monsieur qui a une vingtaine, disons au grand maximum 200 brebis et c'est tout. C'est un monsieur que sur le coin de Millau, il n'est pas trop aimé par certains paysans. Et en plus de ses collègues qui ont cassé le McDonald's, hein, quelques temps après, ces personnes allaient manger au McDonald's. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des enfants. Voilà. Donc aller casser le McDonald's et après aller y manger, c'est pas normal. Et voilà, exactement c'est ce que je disais. Ça fait plaisir aux gosses de temps en temps d'aller y manger. C'est pas forcément pour aller se nourrir. Je pense d'accord. Je vais dire autre chose aussi. Je souhaite bon courage à ceux qui vont venir au fameux concert qui va se faire à Millau. Je les préviens d'avance, il vaut mieux qu'ils viennent en train s'ils peuvent, parce qu'avec les casseurs qu'il va y avoir sur le coin de Millau, eh bien je les plains. Planquez bien vos voitures et n'oubliez pas, le concert qu'il y a, ça servira à payer les frais qu'il a de justice. C'était l'air Beauvais et la Confédération. Voilà. Et alors ? Oui, le problème. Ouais, et alors ? Non, mais ça c'est vraiment. Enfin, c'est bien, vous êtes vraiment dans le système. Pourquoi vous écoutez. Non, je n'ai pas du tout dans le système. Hein. Enfin, donc, pas, non. C'est génial. Non, mais est-ce que peut-être que vous êtes Marc, je crois que c'est Marc. Ouais, Marc, ouais. Je pense que tu as si tu as des enfants, pour faire comme ça, pour faire plaisir aux enfants, comme ça, une fois dans la journée, pas forcément pour se nourrir, mais pour comme ça, pour sortir. Pour... Alors, comme ça, ça fait plaisir aux enfants. Voilà, un cadeau, tout. Bon, il ne faut pas, bien sûr, les habituer à manger ce genre de choses, peut-être pas. C'est pas toujours. Enfin, faut pas manger ça quotidiennement, mais bon. Non, mais je suis d'accord. De temps en temps, comme ça, bon, ça fait plaisir, une sortie comme ça. Bon. Je suis d'accord. Voilà, il y a une photo, bon, il y a l'anniversaire, bon, on les amène. C'est pas tout le temps, mais bon. On la mange pas, nous, de surgelée à la maison, mais. Je pense qu'aux gosses, quand ils sont petits, ça fait. Pour le plaisir, quoi. La main. Pour le plaisir, eux. Oui, la main à Marc d'Avignon. Ouais. C'est Jean-Pierre, c'est ça ? Non. Tu as Jean-Claude et Stéphane avec toi. Jean-Claude qui vient de parler. Hein. C'est Jean-Claude, oui. Mmh. Oui, Jean-Claude, McDonald's a fondé sa réputation et son système insidieusement sur l'amour que les parents ont pour leurs enfants. Qui les incite effectivement à amener. Non, moi, nous, on y va pratiquement pas beaucoup. Laisse-moi finir. À amener, si tu veux, leurs enfants chez McDo parce qu'il y a des jeux, parce qu'on les prend en charge, parce que les parents, bien sûr, ils sont plus capables de prendre. Ce n'est pas Marc. Marc, attendez. Allô. Marc, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah oui. Lorsque McDonald's est arrivé chez nous, dans notre pays, en France, c'était dans les années 80. 82. Lorsque McDonald's est arrivé chez nous, il n'y avait pas d'histoire d'enfant et de je sais pas quoi. McDonald's est arrivé chez nous avec un nouvel argument, un truc qu'on n'avait pas du tout exploité. C'était chez nous, tu viens, tu bouffes, on ne pouvait pas s'asseoir dans les restaurants McDonald's. C'était des tables hautes. C'était chez nous, on arrive à bouffer en 10 minutes. Un repas complet en 10 minutes. C'était tourné vers les gens, les hyperactifs des grandes villes. C'était, t'arrives, tu viens, au lieu de perdre du temps dans les cafés, dans les restaurants traditionnels français, où tu t'assieds, machin truc, tu t'attables, t'as les mecs qui te disaient, tu pousses la porte, t'arrives au truc, tu commandes, t'as une nanette qui te dit bonjour, tac, 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 en 3 minutes t'es servi, tu bouffes, t'es parti. Et il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'ils ont ils ont fait évoluer leur système avec le temps, avec la mentalité, etc. Il n'y avait pas la possibilité de s'asseoir chez eux. C'était que des trucs hauts et on ne pouvait pas s'asseoir. Donc c'est pas sur les enfants, le machin et le je sais pas quoi. Non mais est-ce que tu connais aux produits frais, aux produits comme ça. Attendez, là vous parlez en même temps, là ça j'arrive pas à comprendre. Attends, laisse finir Marc juste Jean-Claude 2 secondes. Oui Marc. Est-ce que tu connais une chaîne qui s'appelle Crip Crop ou Free Time ? Non. Donc ça, c'est une chaîne qui est arrivée en France avant McDonald's. Donc le principe que tu évoques à l'instant, il a été, si tu veux, anticipé par ces chaînes-là. Et le pire, c'est que c'est des chaînes françaises. La chaîne dans le monde qui a avancé, la plus grosse chaîne de bouffe comme ça, de bouffe rapide, c'est McDonald's. La plus grosse, avait les plus gros moyens. Ronald McDonald, mais arrête de dire n'importe quoi. Ronald McDonald est un type qui a construit tout son commerce de cette manière-là, absolument. Avec au départ l'histoire de la restauration rapide, etc. Je ne sais pas si c'est le premier à être arrivé en France. Ce qu'on sait, c'est que c'est celui qui a réussi. C'est l'enseigne qui a réussi chez nous. C'est, je crois, qui représente 20% ou 30% de la bouffe du restaurant dans le pays. Je suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est un truc aussi épais que ça. Bon,
Et ce sont des gens qui sont arrivés avec une nouvelle façon de voir, c'était la rapidité, on gagne du temps, c'était l'ambiance des années 80, fallait être top branchouse, se saper machin chose, et il y avait tu rentres, tu sors, tu bouffes. Et puis après ça, ils ont fait évoluer leur truc, et ils font finalement ces gens-là, je vais jamais moi bouffer chez eux, hein. Jamais, même pas pour le loisir ou je sais pas quoi, je déteste ce qu'ils font à bouffer, je les salue quand même. Parce que je préfère un jambon beurre, moi je suis plus traditionnaliste. Mais par contre, je vais pas foutre le feu chez eux. Ce sont des gens qui aujourd'hui font ce que font toutes les marques. Toutes les marques disent à un moment aux enfants, quand Peugeot veut te vendre la 806, c'est pas pépère MMR, c'est-à-dire les mecs bedonnants avec les grosses fesses qui te montrent dans la pub. On te montre des petits enfants qui sont en train de dire 806, 806, j'achète. Donc finalement, leur démarche, elle est pas tellement, elle n'est pas plus surprenante que celle des autres entreprises qui font des choses qui n'ont rien à voir, et notamment une entreprise française comme PSA. C'est tout. Les Français, comme ils sont cons, ils ont imité ce que faisaient les Américains. Peut-être, mais il ne s'agit pas de savoir qui imite qui. Il s'agit de savoir s'ils ont une démarche qui est différente. Ils font un truc qui est extrêmement sportif, c'est-à-dire qu'ils font du commerce et qu'ils essaient d'utiliser tous les moyens qui sont autour d'eux, des moyens légaux, normaux, pour faire tourner la boîte. C'est ce qu'ils font. Et nous, notre réponse, la réponse de la Confédération paysanne à ça, quand on n'est pas d'accord, c'est d'aller devenir avec des masses et de tout casser. Je dis non. Je déteste cette démarche. Je suis pas forcément d'accord non plus, mais d'un autre côté... Mais si, tu es d'accord, puisque tu vas les soutenir, mais enfin... Non, je veux dire, tu sais ce à quoi ça me fait penser ? Je suis désolé, je suis obsédé par ça, moi. 39-45. 39-45, c'est ça. C'était ça, en fait. Il y avait dans notre pays des gens, des Français bien de chez nous, qui, à un moment... pouvaient comprendre, avaient des raisons de ne pas voir que l'on tuait d'autres gens, d'autres Français, des Juifs en l'occurrence, et puis pas que des Juifs, qu'on tuait d'autres gens pour des trucs. Ils avaient des bonnes raisons d'aller soutenir, de comprendre, de dénoncer, etc. Là aujourd'hui, mais si, merde, c'est une insulte à la démocratie que d'aller défoncer. C'est extrêmement grave. C'est un truc extrêmement grave que de faire ça. C'est scandaleux. On est là tous peinards détendus, aller soutenir un mec qui propose quoi ? Qui propose qu'on se tape sur la gueule ? Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord avec lui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, ce qu'il propose que l'on fasse, c'est que l'on sorte des bâtons et qu'on se tape dessus. Et ça change les mentalités. Parce que c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer dans notre pays. On est en train de partir vers ça. Quand t'es pas d'accord, si t'es pas d'accord avec un mec, tu le tues. C'est ça qu'on est en train de faire. Et ce sont des mecs comme ça, des gens auxquels on donne de droits de cité, photos, manifestations de soutien, et je ne sais quoi. Ce sont ces gens-là qui sont en train petit à petit de rentrer dans la tête des enfants, que l'on peut s'exprimer de cette manière-là. Que l'on peut s'exprimer, que l'on peut, si on n'est pas d'accord, tuer celui qui est en face. Maurice Radio Libre, 90 minutes pour causer. 0803-06-17-27. Radio Libre. Maurice Radio Libre à Agen. 102.3. Maurice. Radio Libre. Libre. Bienvenue dans le maquis de la FM, 21h minuit. Maurice. Voici Marc d'Avignon, il a 30 ans, il est là. Voici Jean-Claude de Brouillard, il a 40 ans, il est là. Oui, il est là. Voici Stéphane de Millau, il a 34 ans, il est là. Oui, je suis là. Ne bougez pas. Et puis, je ne sais pas, ici. Alors, tu vas là, je te prie. Voilà. Oh là. Oui, qui es-tu? Je parlais au... Non, attends, Jean-Claude... C'est qui, là, qui vient d'arriver? C'est qui? Bon, si j'y arrive pas. Il y a Jean de Bordeaux aussi, peut-être. Eh ben alors, Jean, t'attends quoi, l'hôtesse, Jean? T'as quel âge? Jean, il a 29 ans. C'est à lui la main. Salut, ça va bien? Quoi? Tu passes une bonne soirée? Pourquoi j'ai pas l'air? T'as pas l'air? Oh, je sais pas, t'as l'air un peu énervé quand même. Hein. Ah oui, attends, t'imagines? Bien sûr que j'ai peur pour nous, donc je suis énervé. C'est sûr que la violence, c'est pas bien, quoi. Il en faut pas, quoi. Il y en a de trop, déjà.
Mais José Bové, je crois qu'il se bat contre des choses qui sont justes, alors je sais pas, il faut peut-être aussi voir la réalité, quoi. Il s'est peut-être battu tout seul, donc c'est dur. Mais il se bat contre un geste que tu fais, Jean. En fait, il se bat contre... Mais contre qui il se bat ? Commerce, contre les OGM, contre... Mais oui, mais c'est qui ça ? C'est contre qui il se bat ? Contre qui se bat ? Il se bat contre... Les gens qui veulent produire à des bas prix, si tu veux. Mais non, par exemple, le maïs, le fait d'avoir des OGM, ça permet de... Jean. D'avoir un maïs à meilleur marché. Jean. Je sais pas où on va. Jean. Oui, je t'écoute. Il se bat contre toi qui va acheter ce putain de maïs et qui veut l'acheter moins cher. Non. Mais tout, si. Ça, c'est un truc qu'on nous a imposé. Ça, mais, c'est ah là là. Oui, mais la science, c'est tout, hein. Jean, mais si, c'est parce que tu veux l'acheter moins cher. Non, en France, écoute, aujourd'hui, il n'y en a plus d'hectares qui sont cultivés avec des OGM. Comment on peut expliquer ça au mec, putain? J'ai enlevé 4000 mètres carrés d'hectares. Jean, allô? Jean, il se... Il est pour rien là-dedans. Allô, Jean, allô? Oui. Oui, il se bat contre ceux que tu fais. Parce que les OGM, les machins, les trucs, les je sais pas quoi, ça correspond à une consommation. Dans les magasins, personne, aujourd'hui, ne te force à acheter le truc le moins cher, celui qui fait le plus grand volume. Personne. C'est toi qui le fais. José Bové, au lieu de te dire, attention, au lieu de... Ce qui aurait été une démarche louable, il aurait pu dire, attention, stop là-dedans maintenant. Mais maintenant, attention, mais on n'entendait pas personne. Allô, allô. Mais non, mais c'est ta, c'est. Ah, attends, putain. José Bové, t'as dû l'écouter comme on discute là. Il te, José Bové a choisi de s'adresser à la mauvaise personne. Il s'est adressé à ceux qui feraient de lui une star. Mais ça ne changera rien, puisque ce qu'il veut, enfin, ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont intéressés par cette histoire de la malbouffe et du machin et du je sais pas quoi. Ce qu'il faut qu'ils réforment, c'est pas les entreprises qui fabriquent des je sais pas quoi, du maïs OGM. C'est pas ça qu'il faut réformer. C'est la démarche du consommateur. José Bové peut prendre ses grenades et ses masses et défoncer tous les McDonald's de France et de Navarre. Ça ne t'empêchera pas, puisqu'il ne te parle pas et que c'est quand même toi le responsable, d'aller à Carrefour ou à Auchan ou je sais pas où. Qui c'est que j'ai pas cité Carrefour, Auchan ou à Casino. Attaque. Ou à Attaque, chercher le prix le moins cher. Parce que le vrai problème, le véritable problème que nous avons, ce ne sont même pas les fabricants, c'est nous. C'est notre façon de consommer. Tu peux aller soutenir José Bové samedi et dimanche à je sais pas où, à Millau, faire le truc, te dire que c'est super, que quand t'es pas d'accord, il faut qu'on se tape sur la gueule, que tu pourras prendre des bâtons pour éclater les voitures de tous ceux qui ne seront pas d'accord avec toi, qui viendront là. Ça ne t'empêchera pas le samedi matin de mettre ton putain de survêt Nike et d'aller avec ta voiture éventuellement ta Chrysler foncer à chez Auchan acheter les trucs les moins chers, et il pourra toujours crier aller se battre contre les industries du je sais pas quoi si toi tu ne cherches pas à acheter ces produits là. Eh bien, il n'y a plus de bagarre, puisque José Bové n'a rien à leur dire à ces mecs-là, hormis qu'il a compris que c'est en faisant ce tapage qu'il aurait droit à la presse, au vedettaria et éventuellement au passage à la télévision et aux manifestations de soutien de ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Comment expliquer ça aux mecs du pays ? Je vois pas comment tu peux l'expliquer, parce que c'est clair. Comment expliquer aux gens que s'ils ne veulent pas des entreprises planétaires, qu'il ne faut pas qu'ils consomment leurs produits. Point. Que ce n'est pas la peine d'aller foutre le feu au magasin qui ne t'intéresse pas. Si tu veux qu'il disparaisse, le magasin qui ne te plaît pas, n'y mets pas les pieds. C'est tout. Tu n'auras pas besoin de te battre avec des gens. Tu n'auras pas besoin de risquer la vie d'autres gens. De mettre des gens au chômage, de risquer ta propre existence, de déséquilibrer le pays et de nous conduire vers la guerre civile, tu te dis, ce magasin, c'est un magasin planétaire, je ne suis pas d'accord avec la démarche,
au lieu d'aller casser la gueule du mec qui dirige le magasin, je n'y vais pas. C'est tout. Parce que si tu ne vas pas consommer les produits du magasin qui ne te plaît pas, à un moment, ben, le magasin et les gens qui sont à la tête de cette enseigne se rendront compte que ce n'est pas rentable. Et demain, ils fermeront le magasin. Le fait d'aller tout défoncer à coups de masse ne changera rien, puisque le magasin sera reconstruit par les assurances, reconstruit, et que le lendemain, tu rentreras dedans pour le faire fonctionner, puisque tu en achèteras les produits. Comment expliquer aux gens de chez nous aujourd'hui que le coup de pied dans la gueule, que le coup de fusil dans la tête, que le coup de couteau dans le ventre n'est pas une solution, ne réglera pas nos problèmes? Que ce qui peut éventuellement régler nos problèmes, c'est simplement de profiter de la démocratie et de se dire « ça, ça ne me plaît pas, au lieu d'aller y foutre le feu, je n'y vais pas, je passe devant et je ne rentre pas ». Ça, ça règle les problèmes. Au lieu d'aller faire le tour de la planète, de monter dans les Boeing, de Boeing, donc depuis Millau, pour aller à je sais pas où, aux États-Unis, pour dire que lui il est pas d'accord, machin truc et je sais pas quoi, et se dire que c'est pas normal que Boeing vende des avions, eh bien au lieu de faire ça, tu as une autre solution, c'est de dire voilà, chez nous il y a de très bons produits, mettons-les en avant. Si tu veux que les gens de chez nous se mettent à consommer les bons produits de chez nous, ceux qui ne sont pas trafiqués, machin chose, ben il faut les mettre en avant, les faire briller, leur donner autant de qu'ils soient aussi attirants que les produits planétaires. Parce que le problème est là, c'est qu'effectivement tu on nous montre des gens très propres, très clean, très très brillants tout le temps. On nous explique que quand il y a une crotte de poule sur un œuf, que c'est dégoûtant. Et à côté de ça, il y a l'œuf tout petit, super propre. Donc les gens achètent l'œuf tout petit, super propre. Peut-être qu'il suffirait de prendre l'œuf, le vrai, l'œuf de ferme, et de lui passer un petit coup de brosse et dire, tiens, voilà, voici un bel œuf, pour le rendre attrayant, excitant, appétissant, peut-être. Plutôt que de se dire qu'on n'est pas d'accord avec les œufs des poules en batterie et de prendre une masse et de les défoncer, ça ne sert à rien. La seule chose que ça puisse nous amener, c'est qu'à un moment, les partisans des œufs des poules en batterie se disent « Putain, celui-là, quand il n'est pas d'accord, il vient que sa masse et il casse tout, donc nous aussi, on va lui casser la tête. » Voilà. C'est... Comment expliquer ça, putain? Comment expliquer ça? Je sais que ça ne sert à rien. Je sais que José Bové ne l'a pas fait. Lui, il a choisi le coup de pied. Mais je dis, ok, allons-y, partons sur la guerre civile. Allons à Millau, je vais descendre moi aussi ce week-end pour dire à José Bové que je suis pas d'accord avec lui et à ses partisans. Je vais essayer de savoir combien il y aura de personnes qui sont d'accord avec lui. Puis je vais essayer d'emmener avec moi autant de gens qui seront pas d'accord. Puis on va faire une baston énorme pendant tout le week-end. Je veux dire... D'accord, faisons ça, si c'est ce que vous voulez, si c'est comme ça que vous voyez le pays demain, d'accord. Défonçons, cassons tout ce qui ne nous plaît pas, pétons la gueule à ceux que nous n'aimons pas, cassons-leur des jambes et pendons-les. Pendons ceux contre lesquels on est, ceux qui ne partagent pas nos idées. Faisons comme ça, je suis d'accord. Allons-y, je ne sais pas si on va y gagner, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr que les mômes y gagnent, je suis pas certain que ce soit la bonne solution. Maurice, je déteste tous ces gens, ouais. Ouais, c'est Stéphane, moi, là. Allô, j'aurais fini un dernier petit mot, parce que moi, je suis chauffeur routier, il va falloir que j'aille livrer, là. Je suis pas loin de chez le client. Je voulais dire aussi un truc, c'est que, bon, tout le monde reproche après les McDo, du moins, pas tout le monde, certaines personnes, ainsi que Bové, reprochent après les McDo. Mais faut pas oublier que les McDo et autres marques prennent quand même 90% de leurs marchandises sur le territoire français. Donc ça fait quand même... Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Rien que du rock.
Maurice. Tu ne peux pas tout faire, moi! Mais c'est ton boulot! Radio Libre. Le mix! Moi, je veux te dire que 35 heures dans mon métier, moi, je suis d'accord, je suis conducteur routier. Je ne viens pas dans mon émission pour me plaindre. Tu les douilles ou pas, les 10 patates? Cédric, il faut bien qu'on arrête de se parler. Oui, mais on va arrêter. Mais il faut bien qu'à un moment, tu prennes congé, que tu t'en ailles. Oui, mais t'inquiète pas, je m'en irai, quoi. Non, mais je voudrais pas que tu t'en irais, je voudrais que tu t'en ailles. Je cherche une fille. Tu cherches une fille? Mais pourquoi faire? On fait avec une fille. Qu'est-ce qu'on fait avec une fille? Moi, j'en fais des trucs avec une fille. Justement, la même chose. La même chose que moi, c'est pas possible. Non, mais je cherche pas forcément une nana pour baiser le premier soir, au contraire. Ah bon, tu vois qu'on fait pas la même chose. Je peux te poser une dernière question ou pas? Une dernière question. Tu les douilles ou pas? Les 3 patates? Les 10 patates? Les 10 patates? Eric, on y va, s'il te plaît. Attends! Mais ça te regarde pas, mais enfin. Ne plaisante pas, sois franc. Mais non, je n'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas. Parce que tu sais très bien que tu les douilles, les 10 patates, hein. Maurice, Radio Libre. Alors, t'y étais? Demain, peut-être. Radio Libre par satellite. Par satellite. C'est 24h sur 24. Sur 24. Dans ta parabole à toi. Maurice Radio Libre par satellite. Par satellite. Dans ta parabole à toi. Allez, on enchaîne. Voici. Où il est? Voici Marc d'Avignon, il a 30 ans, il est là. Ouais. Voici Stéphane de Millau, 34 ans, il est là. Oui. Voici Jean-Claude de Brouillat, il a 40 ans, il est là. Oui, il est là. Ne bougez pas. Allez, tu vas là, je te prie. Bonsoir Maurice, Marc, 36 ans de Pau. Bah, tu sais pas toi qui a raccroché hier, Marc de Pau? J'ai pas raccroché, Maurice. Hein. Ah bon. Il y a la pub qui est arrivée, et puis bon, moi la pub, j'aime pas trop rester au téléphone. Une fois ça va, deux fois ça me gonfle un peu. Et lorsque Gavroche a repris le compte. Ah oui, c'est vrai, pardonne-moi, oui, en effet. Ouais, en effet, c'était presque un jeu. Je suis parti comme un voleur. C'est vrai, tout à fait. Tu es parti avec classe, comme l'essentiel de cette clientèle. Voilà. C'est à toi la main, Marc, okay. De Pau. Alors moi, je déplore un peu qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là, quoi. C'est tout. Hein. Je ne vais pas rentrer dans des propos, dans des avis, donner mon avis. En tout cas, je déplore qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là, parce que c'est toujours bien d'entendre les gens concernés. Attends, et Marc est où? Non, il n'est pas là. Attends, et Marc. Non, mais... Attends. On peut dire ce qu'on veut, voilà, on va retomber dans... Marc la... Marc, le mec est pas là, ça, on peut pas dire le contraire. En tout cas, il est pas là. Allô, est-ce que je peux réagir à ce que tu dis? C'est possible? Oui, bien sûr. Bon, je dis qu'il y a un numéro de téléphone pour me joindre qui est ouvert à tous, à Marc de Pau, à Marc d'Avignon, à Stéphane de Millau, à Jean-Claude de Brouillat, à plein de gens, et aussi à José Beauvais. D'accord? 0803 07 17 27, enfin ce soir 01 56 36 4 x 0. José Beauvais, s'il n'est pas d'accord, s'il a un truc à dire, moi j'ai pas dit que tout le monde pouvait parler sauf lui. C'est peut-être pas que ton émission existe. Hein. Je m'en fous. Je dis qu'à un moment, le mec, si jamais il veut, il prend son téléphone, il appelle. S'il appelle pas, c'est pas moi qui l'en empêche. Maurice, oui. D'accord avec toi, dans la mesure où quand tu t'es exprimé tout à l'heure, t'as pas parlé du mec, on va dire, avec des précisions, t'as donné tes idées. Par contre, il y a le gars là, qui est de Millau, de 34 ans, j'ai oublié le prénom. Stéphane. Bonsoir. Stéphane. Ouais, tu as parlé. Il est là. Tu as parlé, José Beauvais, avec des... T'as dit des choses, quoi, que soit on te croit sur parole, soit tu nous amènes les preuves. Moi, comme je te connais pas, je te demandais des preuves. Tu vois, t'as dit des trucs, franchement, c'est de l'amalgame, c'est de la démagogie, c'est inadmissible d'entendre des gens parler comme ça, quoi. Quand mais tu nous as dit qu'il y a des mecs qui ont été cassés là-bas et qu'après on les a fait manger au McDo... Je peux te dire que même pour le concert, mais non, laisse pas finir au moins, putain, après je vais te laisser parler. Ouais. Quand t'as dit... qu'il y a des mecs qui ont été bouffés là-bas après avoir cassé et tout, après avoir fait la manif, possible que c'est vrai, possible que c'est pas vrai. Alors soit moi je te crois sur parole, tu vois, et, ou alors soit je te demande des preuves. Jusqu'à preuve du contraire, je te connais pas, quoi. Alors, tu sais, on peut avancer des tas de choses, tu vois. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas normal qu'on parle de gens, que ce soit José Beauvais ou autre, mais là c'est pour une affaire bien précise, en plus, donc au moins qu'on parle de choses, et bien que les gens soient là, quoi, tu vois. Maurice, après, il a donné un avis. Bon, il n'a pas remis en question José. Il a juste donné un avis contraire, quoi, hein, sa façon de penser. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de gens, avec précision, on parle de ce que les gens ont fait et qu'ils ne sont pas là pour controverser, il y a un moment donné, ça ne va pas, quoi. À part les j'aimerais bien qu'ils viennent à la télé ou à la radio, quoi. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas de problème, tu ne vas pas nous endormir. Mais tu as dit des trucs que moi, officiellement, je ne connaissais pas. Alors, voilà. Le prouver, et oui, quoi. C'est ça le problème, c'est que les gens qui ne sont pas de Millau. Attends, mais moi j'habite à la campagne, qu'est-ce que tu me racontes? Ne, alors, ne je, sont tu vois, pas moi je suis pas de Millau, mais je suis contre la pensée unique, tu vois.
Comment ? Moi, je suis peut-être pas le million, mais je suis contre la pensée unique. Tout à fait. De toute façon, ce que tu as dit, qu'ils soient arrivés dans l'Aveyron après coup, qu'il est. On s'en fout, voilà, exactement, c'est pas le problème. Rien à voir, voilà, c'est de la connerie tout ça. D'autres et c'est tout, point barre. Alors, effectivement, tu essaies de m'attraquer derrière avec la désinformation, bon. Non, j'essaie pas de m'attraquer, c'est pour montrer la personne en vidéo que c'est un peu tout. Moi, je vais vous dire quelque chose, parce que bon, va falloir que je redémarre. Moi, je suis chauffeur routier, là, je me suis arrêté pour pouvoir parler avec Maurice et vous tous. Il va falloir que j'aille livrer mon client. Donc je vais finir et dire un dernier mot, mais je vous continuerai à vous écouter à la radio. Je vais dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour ce fameux concert de Millau, hein, qui sont pas contents du tout. Parce mais que bon, tous on ceux qui habitent en bordure où il va y avoir le concert, c'est des personnes qui vont avoir la trouille de se faire casser les voitures, de se faire casser les commerçants qui vont se gaver. C'est de la drogue parce qu'ils qui ont des commerces. Attends, laisse-moi finir de parler. Ceux qui ont des commerces, hein, ils ont la trouille aussi parce qu'ils ont peur qu'il y ait énormément de casse. Bon, bah écoute, les commerçants de Millau qui veulent venir dire quelque chose, qu'ils le disent. Bon, on va y aller, les gars. Jean-Claude, un petit mot pour finir, une petite bricole. Oui, ben, je voulais parler aux routiers, là. J'étais d'accord qu'ils disaient que bon, les produits qui sont vendus dans les McDo sont des produits. Parce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quoi. McDonald's fait travailler les gens de Millau. Enfin, voilà, c'est pas, voilà. Ils vont pas chercher les mecs à New York, quoi. En général, quoi. C'est Maurice. Oui. Ça fait pas travailler que les gens de Millau. Tous les McDo, hein, McDo, Quick, Flunch et tout ce qui s'ensuit, hein, tous ces gens-là, hein, se servent à 90% en France. C'est-à-dire, c'est de la matière première qui vient de France, quand même. Voilà, oui. Et voilà, mais c'est pour ça, bon. Et la matière première, il faut la travailler peut-être aussi, hein. En amont, elle se travaille la matière première, tu as pensé à ça ? Voilà, par contre, j'y connais rien, moi, donc je n'ai pas lancé dans ce. Je viens parler de la façon de voir la vie de José Bové, mais je ne vais pas pouvoir parler de la transformation des produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai dû manger 10 fois dans ma vie, et encore 5 fois dans ma vie, des produits de chez McDonald's, puisque je suis quand même pas très. Je ne suis pas fan, j'avoue que ce n'est pas du tout ma tambouille. Je préfère manger une baguette. Quoi ? T'aimes le fromage ? Oui. Moi, j'ai rien contre McDo. Non plus. Monsieur José Bové n'a rien contre McDo directement. Non, c'est vrai que tu peux ne rien avoir contre. Moi aussi, je peux te mettre un coup de couteau dans le ventre et me tourner et dire oui, mais je n'ai rien contre lui. C'est écoute, super. Oui, pardon. Bon, si demain, tu ne mangeras plus le bon fromage du pays, tu mangeras celui qu'on te vendra. Parce qu'il y aura une pensée unique, il y aura une façon de fabriquer qui fera que il y aura tellement de gens qui auront mis une bain basse sur beaucoup de choses et que ça fonctionnera tout de la même façon et que tout ce qui est artisanal. Mais non, c'est... Allô. Mais attends, Marc. Côté de Millau, c'est pas possible. Avec... Content. Attendez. Attendez. De la saleté. Et faut pas refaire le monde non plus. Non. Allô. Attention, j'appuie sur le bouton, ça va pas être plaisant, hein. Maurice. Oui. Je vais vous dire au revoir parce que moi, il faut que j'aille vraiment c'est qui mon client, sinon c'est je qui vais me faire allumer. C'est qui? C'est Stéphane. C'est Stéphane qui s'en va. Oui. Bon, bonne nuit à toi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, rock'n'roll, et à un de ces jours au parc. Allez, bonne route à toi. Bon. Ok, ciao. Allez, attends, qu'est-ce que je disais, moi? Je disais, Marc. Oui. Je disais, à un moment, il faut aussi que, tu vois, que... Il faut aussi peut-être venir... Non, attention, j'appuie sur le bouton, tant pis pour toi. Parce que je vais la finir, moi, frère, tu me connais. Pour toi, c'est pas une découverte. Bon, de quoi on parle ? Aujourd'hui, les mecs qui font la bouffe sont planétaires. C'est comme ça. Le jambon, le machin, le truc, c'est planétaire. C'est comme ça. Même les torquilles, c'est fini. C'est plus une petite... c'est plus des mecs qui le font à la louche, peinard dans leur coin. C'est terminé, ça. Et même José Bové, la mondialisation, le machin, le truc, le je sais pas quoi, il fait pas sur un tracteur fabriqué avec du bois et du chanvre local. Non. Le tracteur qu'il a, c'est un tracteur planétaire. Avec un alternateur planétaire, des vitres planétaires. C'est comme ça. Quoi, il veut pas, je veux dire, d'accord, repartons à zéro, disons-nous d'accord, ce qu'il faut, c'est que les mecs fassent, que chaque producteur fasse 4 yaourts par jour. Mais on n'y arrivera pas, il y en a qui auront faim. Alors bon, si on s'appuie sur la démarche de Bovet, c'est les plus costauds, les plus musclés qui mangeront. Les plus faibles se feront péter la gueule ou se feront piétiner dans la file pour que les plus costauds puissent bouffer. Il y a un moment où on est obligé de se dire, de toute façon, il faudra qu'il y ait des échanges.
puisqu'il y en a des échanges. Il y en a dans les cuillères, il y en a dans les tracteurs, il y en a dans les pompes de notre José Bové, le roi l'anti-mondialisation. À un moment, mais il les chausse, les bottes mondiales. T'es obligé. C'est comme ça. Si effectivement on doit repartir chacun avec notre litre de lait qu'on va chercher, on va chercher au pied de la vache, ça ne pourra pas marcher parce qu'il n'y a pas assez de vaches. Tu comprends ce que je veux dire, Marc, ou quoi? Allô? Ouais. Oui. Mais moi, je croyais que t'aimais l'épicier du coin, Maurice. J'aime l'épicier du coin, mais je sais pertinemment que mon épicier, sur mon légume, mon fruitier légume, celui avec lequel je m'entends extrêmement... Jusqu'à quand, tu vas le savoir? Il va exister combien de temps? Ce mec-là, s'il existe aujourd'hui, c'est parce que je vais, comme les gens de mon quartier, nous allons consommer chez lui. C'est pour ça. Non. Parce que moi... Non, ça c'est des conneries. Parce que, quand les mecs vont à Carrefour dépenser... Tu verras dans 10 ans, Maurice. Allô. Quand les mecs vont... Il y a toi qui parle, putain, c'est pas... Quand les mecs... Mais je suis obligé de réagir. Tu peux pas dire un truc, puis après ça, continuer à parler en te disant qu'il faut que tu parles aussi. Parce que parler, c'est un moment, si tu dis un truc qui appelle une réaction, je réagis. Ou alors, si tu veux, tu fais une cassette, puis on choisit des ordres de passage, et on dit l'intervention de Marc de Pau sera diffusée entre 22h et tel truc, puis voilà, je n'en parle plus. Lorsque tu dis que c'est parce que tu as de l'argent, non. Moi, quand j'ai envie de bouffer des tomates, si je suis tout seul, j'achète 3 tomates, que je bouffe immédiatement. Quand j'ai des potes à bouffer, s'il en faut 15, j'en achète 15. Mais j'en achète pour les gens qui sont là. Je vais pas acheter 37 000 tomates parce qu'elles sont moins chères à la tomate. Et si tu fais le tour de mes courses à moi du samedi ou du dimanche, c'est que je vais faire en faisant le tour de mes commerçants, bah tu verras que ça n'a aucune commune mesure avec les courses que fait mon voisin qui touche beaucoup moins de blé que moi, c'est vrai, à Carrefour. Rien à voir. ...772e, 2315h. Plus que 60 minutes pour causer. 0803 07 17 27. Allez, voici Marc d'Avignon, 30 ans, il est là. Ouais. Voici Jean-Claude de Broglia, 40 ans, il est là. Oui. Voici Marc de Pau, 36 ans, il est là. Moi aussi. Bon, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Enfin, il y en a moi, un paquet. Je voulais te dire que ça va couper, là, donc. Toi aussi. Est-ce qu'elle peut me rappeler Arrête, attends. Contre la mondialisation. Hein. Si tu crois pas, c'est chacun sa pièce en bois dans le truc. Non. Bon, on verra dans quelques années quand même. Mais quoi dans quelques années? Soit. On pourra en reparler. Mais non, mais Marc, si tu prends sur une semaine, personne par personne, je suis désolé, je dépense moins de blé en dehors de ce que je peux bouffer au restaurant, je dépense moins de blé pour faire mes courses. Que quelqu'un qui gagne le SMIC, je suis désolé. Parce que je n'ai. Mais toi, tu parles en tant que consommateur. Eh bien oui, quand tu me demandes si. Lorsque tu me demandes, Marc, si je vais chez les petits commerçants, puisque tu le sais, je te dis oui, j'y vais. Lorsque l'autre dit oui, mais c'est parce que tu as les moyens, je réagis en disant non, c'est pas. Alors, Maurice, ce n'est pas parce que j'ai les moyens. Oui, ce n'est pas parce que j'ai les moyens. C'est parce qu'à un moment, j'adapte ce que j'achète à ce que je consomme. Point. Je fais pas des stocks jusqu'en l'an 2007. J'achète pas des paquets de 5 litres de sucre, de 5 kilos de sucre. J'achète ce dont j'ai besoin. Voilà. Quand j'ai envie de manger des œufs à la coque, je me dis pas que je vais acheter une barquette avec 48 œufs à 0,30 centimes le bout. Je vais, en général, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est lui, ça. C'est mon crémier qui est mon fromager qui vend ça, qui vend des œufs, puis je descends, je vais le voir, je lui dis, tiens, dis-moi. Je vais manger des œufs, j'en bouffe 4. Je prends 4 œufs. 2 francs le bout, 4 fois 2, 8. Terminé. Non, je dis une connerie. 1 franc le bout. 4 fois 1, 4. Terminé. Tu seras rassuré. J'ai pas entendu, puisque je vous mute, moi, tu sais, pour... Il restera au moins ton épicier du coin, tu seras quand même rassuré, quoi. Ben, il y a dans mon quartier, il y a poissonnier, boucher, légumier, des pâtisseries, des boulangeries, des machins, des trucs. Les mecs, ça tourne leur commerce. T'as pensé que ces produits, quand même, lui, il se les procure quelque part, hein. Oui, à Rungis, ouais. Bien sûr, et je n'en connais pas, je ne peux que lui faire confiance. Et quand tu veux manger quelque chose de bien précis, quelque chose que t'as envie de manger, qui te fait plaisir, qui est très bon... Ouais. Ben, je vais chez le commerce. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Maurice. Que bon. Tu peux trouver qu'un seul endroit, par exemple.
Si un jour cet endroit il n'existe plus, et il n'y a qu'un seul endroit, tu vas te le procurer où? Ben pour que cette, pour que ce. Mais oui, Marc, merde, je réponds. Pour que ce truc puisse exister, je consomme chez le mec qui le fait. Voilà ce que je fais. Le mec, il n'existera plus, tu vas comprendre. Ah, mais non, mais non, justement, parce qu'à ce moment-là, tu dis, oui, quand il y aura la bombe atomique et qu'il y aura la bombe à neutrons et qu'il n'y aura plus personne, où est-ce que tu vas trouver à bouffer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis à un moment que si tu veux lutter contre la mondialisation, si tu n'es pas pour les grandes surfaces, qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est pas d'aller foutre le feu aux grandes surfaces, c'est pas d'aller tuer les patrons de grandes surfaces, c'est un moment d'aller chez le commerçant qui est à côté de chez toi. Si tu veux que le commerçant qui est au pied de ta, qui est au pied de ton immeuble continue à travailler, à exister, et si tu ne veux pas avoir à te poser la question que tu viens de poser là, c'est-à-dire te dire où est-ce que je peux, comment je peux faire, il faut t'entretenir celui qui te le propose. Aujourd'hui, il faut te dire que ton mec qui vend des fruits et légumes, c'est chez lui qu'il faut consommer. Point. Si jamais tu ne fais pas ça, tu peux effectivement t'asseoir, aller bouffer dans les grandes surfaces, attendre que José Bové arrive, péter, défoncer tout le magasin en disant que demain, qu'une semaine, qu'un mois après, tu feras un concert pour payer les frais, pour que tous les trouducs qui ont trouvé que c'était super ton passage à la téloche et qui se disent « Putain, c'est génial, il est allé aux États-Unis, c'est donc une grande star, donc on va y aller, comme ça on va le toucher, on va s'en approcher, essayer d'échanger un an avec lui », que tous les peignes-culs payent les frais de procès, payent tout ce que tu devrais payer toi normalement, parce que c'est toi qui as agi et qui a fait un truc qui est totalement antidémocratique. Tu peux effectivement voir la vie de cette manière. Moi je dis que si tu veux des petits commerçants chez toi, si tu veux lutter contre la mondialisation, si tu veux que les fermiers arrivent à bien bouffer, si tu veux que les paysans arrivent à te proposer des produits de qualité, eh ben qu'il faut acheter leurs produits, qu'il ne faut pas empêcher ceux qui font des produits de moindre qualité d'exister, qu'il ne s'agit pas et que ça ne servira à rien d'aller faire exploser leur commerce, il faut simplement un moment leur tourner le dos et aller vers ceux qui te proposent mieux. Plutôt que d'employer ces manières qui sont des démarches moyenâgeuses qui nous conduiront à la guerre civile. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est la télévision et les journaux qui prennent le pas, qui décident, qui disent l'action de José Bové, paf, on prend le tampon bleu, on tamponne, on dit c'est bien. On le fait voir à tout le monde en disant c'est super ce qu'il a fait ce mec-là. On peut, c'est légal, on peut aller le soutenir, on peut aller l'applaudir. On ne pourra pas continuer comme ça. Il y aura forcément un jour, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, des gens qui diront « Je suis pas d'accord avec José Bové. Je suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on m'impose ça. Je veux pas qu'on saccage les centres-villes quand on n'est pas d'accord. » Donc à ce moment-là, ces gens-là se diront « Comment leur parler à ces mecs-là? Comment est-ce qu'il faut leur causer au José Bové et consorts? Est-ce qu'il faut aussi employer la masse, employer le plastique, la bombe et la mitraillette? Et un jour, il y aura la réponse à tout cela. Parce qu'on ne pourra pas supporter de vivre dans la terreur. On ne pourra pas se dire qu'il ne faudra pas aller dans le magasin qui ne plaît pas à José Bové parce qu'il est en train de faire sa manifestation et que le magasin est fermé. Il y a un jour des gens qui diront « Merde, les commerçants ont la possibilité d'ouvrir du lundi au samedi de telle heure à telle heure. On ne veut pas qu'il y ait un mec qui n'est pas d'accord avec eux qui les empêche de faire leur boulot. » Point. Et ces mecs-là, un jour, se réveilleront et diront qu'ils ne veulent pas. Et iront voir ces mecs-là, les mecs qui partent avec des masses, des fusils, des coups de pied, des coups de poing et des coups de couteau, iront les voir et leur répondront de la même manière. C'est ce qu'on appelle la guerre civile. Ça nous conduira à ça. On ne pourra pas avoir et supporter pendant un siècle complet cette démarche. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas comme ça que ceux qui ont construit ce pays, ce n'est pas comme ça qu'ils l'avaient imaginé. Ils avaient imaginé un pays des réflexions, un pays des échanges, un pays où les gens qui ne sont pas d'accord se mettent autour d'une table. Aujourd'hui, ce que nous proposons, ce n'est que ça. Aller gueuler, tout casser, foutre le feu, se battre, se s'éventrer, hurler, insulter tout le monde. C'est ça qu'on propose aux gens, avec juste devant des gens avec le sourire, machin truc, et des belles photos. Notre José Bové, ce n'était personne il y a un an et demi. Ce n'était personne. Personne ne le connaissait dans le pays, à part sa famille et ses amis. On en a fait parce que les gens de télévision et que les gens des journaux l'ont choisi, on en a fait une star et aujourd'hui on essaie d'alimenter, de lui trouver de bonnes raisons d'avoir fait ce qu'il a fait. Pour moi, entre José Bové, les mecs qui foutent le feu des bagnoles, qui foutent le feu aux bagnoles, à Vaux-en-Velin, il n'y a aucune différence. La seule chose, c'est que je me dirais que les mômes qui foutent le feu au pied des immeubles à Vaux-en-Velin sont sans doute beaucoup moins dangereux. Beaucoup moins dangereux pour l'équilibre de la société que des gens comme ça. Jingle.
21h minuit. Maurice. Et ici, dans ta radio. Ah, toi! Libre! 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 Radio libre. Libre. Et un café serré. Libre. 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 C'est Marc de Pau, il est là. On n'avait plus de Marc de Pau. J'en peux plus, moi j'en ai marre, moi. Voici Marc d'Avignon, il est là? Oui. Bon, il faut qu'on accélère. Voici Jean-Claude de Brouillard, vas-y. Oui, alors. Je voulais dire que si tu réagis comme ça, c'est quelque part le système que José Bové rejette, quelque part tu en profites. Donc ça peut pas te faire. Mais non, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais non, mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Que le système dont José Bové parle, j'en profite, la démocratie? Oui, je profite de la démocratie, bien entendu. José Bové me fait peur. Les gens qui pensent comme lui me foutent la trouille. Ils me font peur parce que ce sont des gens qui vont mettre à sac le pays. On ne peut pas parler à coups de pied, à coups de masse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Il faudra qu'il y ait des gens qui disent qu'on ne peut pas réagir comme ça. Allô, Marc. Oui. Même si ça te paraît impossible. Oui. Je vais parler de démocratie. Oui, Boris. Oui. Bon, il y a la statue de la liberté aux États-Unis, hein, magnifique pays des droits de l'homme, et il y a 10% de la population qui est en prison. Alors Boris. Mais je sais pas, Marc, je ne vis pas aux États-Unis. Bon, moi, j'habite en France. Mais non, mais Marc, je m'en fous. Ouais, putain, ouais. Des millions de personnes qui peuvent plus s'exprimer. Je ne vis pas aux États-Unis. Bon, ben, en France. En France, les gens. Allô, les... Boris. En France. Attends. Merci Jean-Claude, t'as été super. Bonne nuit à toi. Maurice. Marc. Radio libre. 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 Marc. Libre. Libre. Marc. En France, les gens n'ont pas la possibilité d'intervenir. Ils n'ont pas la possibilité de parler, les gens de chez nous. C'est vrai. Il n'y a rien qui est prévu pour ça. C'est vrai. Et de toute façon, ils se contentent de ça. Absolument aussi. Parce qu'ils ont envie de tourner des roulettes et gagner de l'argent. C'est tout ce qui les intéresse, voir s'ils peuvent passer à la téloge. Ça s'arrête là. Donc on n'a pas... Je ne sais pas si c'est comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de moyen pour les gens du pays de s'exprimer. Il n'y a aucun endroit. Non, mais... Attends, le choix, si tu veux... Je reviens sur le choix. Bon, c'est important, le choix. Est-ce que le choix est uniquement basé sur ce qu'on peut faire ou bien est-ce que tu n'es pas quelque part sur influence? Quant aux États-Unis, je reviens encore sur les États-Unis, je suis désolé, hein. Il y a une vente d'armes qui est tolérée. Est-ce que c'est pas l'une des seules raisons pour que ce soit le même pays où il y ait plus de détention d'armes dans les foyers? Mais Marc, je ne sais pas, moi je ne vis pas aux États-Unis, mais effectivement, quand je vois José Bové, j'ai envie d'acheter un revolver, c'est vrai. Non, mais oui, mais oui. Mais quoi, c'est pas bien. Je devrais, moi, supporter qu'il y a un mec qui parle à coups de masse et puis rester en face en me disant que moi je suis le démocrate, celui qui prend le coup de pied dans la gueule? Non! Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le système est appuyé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a les maîtres du monde, ceux qui pourraient à un moment décider qu'un truc n'est pas bon et le défoncer. Et puis ceux qui sont comme moi, c'est pas bien. On les regarde en leur disant c'est pas bien d'imaginer que tu vas te défendre. Bien sûr que je vais me défendre. Je vais faire quoi? Quand José Bové va prendre le pouvoir, je vais faire quoi? Je vais attendre qu'il vienne me casser la figure parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis? Je vais attendre qu'il vienne défoncer mon appartement à coups de masse? Parce qu'il me dit bien sûr que non. Quand je vais savoir qui monte, je vais prendre ma masse, je vais l'attendre. Quoi? C'est pas bien de dire ça. Il faudra bien qu'on se défende. On ne va pas pouvoir rester là comme ça, tranquille, à attendre que... Alors moi, je fais quoi? Le démocrate super gentil qui va se faire casser les dents pendant que l'autre, il monte avec sa masse? Tu plaisantes ou quoi? C'est une blague. Bien sûr que ce sont des gens comme ça qui font qui conduisent à la guerre civile, qui conduisent à la bagarre, à la baston, bien entendu. Qui quoi? Les mômes dans les bahuts, ils vont faire quoi? Quand ils seront pas d'accord avec le cours de je sais pas quoi? Enfin, ça existe déjà. Ben, ils vont tout défoncer, comme a montré José Bové. Puis on aura sans doute, un peu plus tard, un étudiant vedette, star, qui fera le tour du monde parce que lui aura réussi à foutre feu au bahut, à tout défoncer pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la façon d'enseigner. Parce qu'il ne sera pas d'accord avec l'idée, avec la démarche. Je peux pas, moi. Je peux pas. Oh, je peux pas. Ouais, c'est pas grave. Oh, tiens, retrouvez-moi, Marc. Oh, je peux pas, ça me rembarge. Elle a chez tout. Il est là, Marc. Je peux pas. C'est l'enfer. Il est où? Ah, il est là, pardon.
Ouais, je crois que c'est pas... Enfin, c'est pas de ma faute, hein. C'est là-bas que ça a merdé, Marc. Hein. Ouais. Bon, c'est à toi. C'était pas de la censure, donc. Non, ah non, j'aurais pu. Enfin, la censure, c'est... Non, bien, il y aura toujours une censure, de toute façon. J'apprécie avec toi, malgré nos divergences, on peut s'exprimer quand même. C'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait, mais tu sais que tu devrais faire de la politique, Maurice. Non, parce que... Non, parce que j'ai pas envie d'être armé. T'as vu que je suis drôle. Non, mais je voulais quand même te dire que, bon, si José Bové a fait ça, c'est peut-être le seul moyen aujourd'hui qu'il a encore de s'exprimer. Et que demain, à mon avis, comme disait l'autre Marc, il n'y aura plus de moyen du tout de s'exprimer. Voilà. Mais oui, mais attends, on est bien d'accord, Marc, que c'est t'as des mômes ? Non, je n'ai pas. Bon, t'en auras peut-être un jour. Peut-être, ouais. T'imagines tes mômes, quand ils seront chez toi et qu'à un moment, ils se rendront compte qu'il n'y a pas de moyen de s'exprimer, qu'ils viendront avec une masse pour te parler ? Que font dans les banlieues les jeunes, c'est quoi à ton avis ? Eh ben c'est ce que fait José Bové, mais en moins dangereux. Je ne pense pas. Mais si ! Il se rebelle aussi contre la société, c'est exactement ça. Non, il se rebelle pas contre la société, non. C'est pas ça, se rebeller contre la société. Tu peux pas te rebeller contre la société et voler une Golf GTI pour aller à la plage, allons. Oui, et t'acheter un survêt de taquini, enfin je veux dire... Ceux qui brûlent les immeubles, etc. Eh ben ceux qui brûlent les immeubles, attends, tu rigoles ou quoi ? Ceux qui brûlent les immeubles, ils ont tous des GTI, des BM, des machins, des trucs avec des jantes larges. Ça, c'est des stéréotypes, hein. Ah non, non. Passer, non, je te le dis, non, Marc, il y a personne dans les bois, hein. Va faire un tour dans les bois autour d'Avignon, tu verras que personne n'y habite. Les mecs qui sont contre la société, c'est là qu'ils devraient être, dans les bois. Un mec qui est contre la société, qui a une carte bleue en poche, qui s'apprête à partir en vacances en payant 4 fois sans frais et qui s'est acheté la dernière Renault, moi je dis qu'il est pas contre la société, celui-là. Non. Il est jaloux, peut-être, de son voisin. Mais on en fait partie de la société. On ne peut absolument pas s'en passer, je suis désolé. Et alors, mais qui a dit qu'il fallait s'en passer ? Parce que, d'après ce que tu dis, il faudrait se passer de carte bleue, se passer de ceci, se passer mais de cela. Mais non, Marc, allons, Marc, j'ai l'impression que tu comprends pas la langue. Je dis que les gens qui sont contre la société devraient faire ça, mais il y en a pas. Mais ils peuvent pas. Maurice, radio libre, c'est du rock. Rien que du rock. Rien que du rock. Maurice. Oui, 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 celui-là, c'est pas un pétzouille. Radio libre. Le mix. Comment veux-tu que je sois raté ? Ils viennent me chercher pour manger du couscous. Mes pires ennemis. J'ai pas des pires ennemis, je m'en tirais. Ils sont super sympas. Pourquoi je fais ça ? Quand ils viennent frapper ma porte, Denise, t'as pas 100 balles ? Denise, t'as pas. Je dors. T'as pas du sel, t'as pas du foie, t'as pas du sucre. Et alors ? Je n'ai pas un café Ngachi. Bah, t'es qu'à leur raconter n'importe quoi, dès lors que t'es ministre. Je cherche toujours des filles d'ailleurs, on vend. Il y a des gens avec lesquels je m'entends, puis d'autres avec lesquels je ne m'entends pas. Mais j'aurais du mal à dire que j'aime bien les Norvégiens, par exemple. Que c'est Norvégien, il y a des gens qui sont très sympas, puis il y a des cons, mais comme tu peux pas imaginer. Dans toutes les races, il y a des cons. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. T'as quand même porté plainte, quoi. J'ai retiré ma plainte. T'as retiré ta plainte. Parce que j'ai dit, il était préférable de me demander la télé parce que j'en voulais plus, elle était toute neuve. Maurice, Radio Libre. Alors, t'y étais ? Lundi, peut-être. ...08-36-68-71-17. 2.23 TPC, la minute. Tu veux me laisser un message ? Tape 1. Oui, Maurice, et j'espère que tu n'ouvriras pas cette musique un peu trop barge. Yeah, ça a fonctionné. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Ciao, ciao. Ils ont laissé des messages sur le 08 36 68 71 17. 923 TTC, la minute. Allez, on enchaîne. Allez, voici Marc d'Avignon. Il a 30 ans, il est là. Ouais. Je sais plus avec qui t'étais, il y avait quelqu'un d'autre, non ? Il y a des filles d'Avignon un petit peu, là. Il y avait... Qui d'autre ?
Non, je trouve pas. Bon, il y a d'autres gens qui veulent parler, Marc. Faut qu'on accélère. Ouais. Allez, ouais, je te laisse faire une petite conclusion, un petit truc. Une petite conclusion. Moi, je suis pas contre, si tu veux, la concentration de la production. Je suis contre la concentration de la production en main d'un seul. Et c'est malheureusement ce qui se fait de plus en plus. Toi, tu parles de ton petit commerçant. Il y a quelques temps, ton petit commerçant, il allait acheter effectivement au producteur. Et de plus en plus, maintenant, il va acheter à la grande surface. Et demain, pour consommer vraiment de manière équitable, il n'y aura qu'un seul système. C'est un peu ce qui se montre, c'est des petits artisans qui essaient de faire. Mais alors là, c'est du commerce, tu veux, où il y a une marge deux à trois fois plus importante, quoi. C'est-à-dire, l'œuf que tu payes 1 franc, tu vas payer 3 francs. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des gens qui sont payés, etc. Donc, mais Marc, à ce moment-là, je fais un choix. Soit je me dis que je mange 4 œufs d'un coup, ou alors je me dis, ce sont de très bons œufs, je vais en manger 2 seulement. Pour toi, d'accord. Peu, mais bon. Ben quoi, peu mais bon, t'as vu les gros culs qu'on a dans le pays, on a triplé de volume et tellement on bouffe. Il y a des familles qui vivent avec 5000 balles et qui ont... Ouais, il y a des familles qui vivent avec 5000 balles, mais tout le monde a un cul énorme dans le pays. On est obèse quand même dans le pays. Et ça, tu sais, obèse, si on est obèse, c'est parce que les gens se mettent trop de trucs dans le bide. Et ça, c'est le côté pervers des achats en nombre des 48 yaourts. Les mecs, ils bouffent 4 yaourts par repas. C'est normal. Le jour où ils vont se dire peu mais bon, eh ben on va perdre. Mais oui, parce que. C'est pas vrai ce que tu dis. Mais si, putain, c'est tout le système est comme ça. Alors rien n'a jamais aucun rapport avec rien du tout. Tu peux bouffer 17 yaourts si tu étais énorme, si le français est devenu gros comme il est. Je veux dire, t'as pas une nénette avec un beau cul dans la rue. Toutes les filles de chez nous, elles ont un cul gras à mort et une culotte de cheval. C'est l'enfer total. Alors elles s'habillent avec des trucs top moulants là. Je veux dire, c'est l'horreur. Les mecs ont tous du bide. Mais on ne peut pas dire à un moment que c'est parce qu'ils mangent trop. Non, non, ça, c'est un rapport avec quoi ? Avec les ricas, c'est ça ? Ou c'est de la faute des Américains ? Si les gens sont devenus obèses dans notre pays, c'est parce qu'ils bouffent trop. Donc je dis oui, faisons l'œuf qui était à 1 franc, faisons-le à 3 francs, ne bouffons plus 4 mais 2, et ça va très bien se passer. On va fondre. Et les enfants se seront plus sveltes, on aura moins de problèmes de circulation et de je sais pas quoi, les gens vont arrêter de grossir. T'as vu le... Enfin, attends, on va aller voir dans quoi dans une semaine, sur la plage. Va voir si je mens. Tu verras que les mecs du pays, les nanas, tout le monde est énorme dans ce pays. Tout le monde est énorme, et si tu fais attention, c'est une génération entière qui est énorme. Et cette génération... Elle correspond à l'avènement des grandes surfaces. Parce que les gens achètent trop de choses à bouffer. Ils mangent beaucoup trop. C'est colossal. T'imagines que tes mecs, là, dont tu me parles, là, qui gagnent le SMIC, machin chose, etc., qui gagnent très peu d'argent, ce sont des gens qui, effectivement, gagnent le SMIC, mais on les aide pour se loger. On leur donne l'allocation logement, on leur donne des allocations familiales quand ils ont des mômes, on leur donne, à tel point que quand ils vont dans les grandes surfaces, quand ils vont dans les grandes surfaces, ils ne dépensent pas des courses à 500 balles. Tu vas me faire croire qu'on ne peut pas faire bouffer 4 personnes avec 500 balles en achetant dans une grande surface. Non. Ils achètent pour 2000 balles de trucs. C'est le chariot moyen, je sais pas, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans un magazine de conso, je veux dire, le chariot moyen, c'est à tomber par terre. Et c'est tous les samedis. Parce que les gens de chez nous font les courses du mois plus le petit appoint tous les samedis. C'est l'enfer. Il y a plus de mecs dans les grandes surfaces le samedi que de gens dehors, à l'extérieur de chez eux, le samedi soir, passé 22h. C'est dans les grandes surfaces qu'il faut la mettre, la musique. C'est là. Bon, allez, Marc, il y va maintenant. Marc, il y va. Non, mais heureusement, t'es pas mis du travail, sinon avec toi, il faudrait couper le SMIC en deux parce que les gens ont beaucoup trop d'argent. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Je n'ai pas dit qu'ils avaient beaucoup trop d'argent. Je dis que la partie qui est consacrée à la bouffe est trop importante. Et qu'effectivement, ce que l'on aide aujourd'hui dans le pays, je suis désolé, c'est pas les mecs qui paient l'impôt sur la fortune, c'est pas ces mecs-là qu'on aide. Les gens que l'on aide le plus dans le pays, ce qui est logique d'ailleurs, ce sont ceux qui gagnent le SMIC. Et des gens qui gagnent véritablement le SMIC, c'est-à-dire 6000 balles par mois, stricto sensu, c'est-à-dire juste ça, dans le pays, il n'y en a pas. Parce que le mec qui gagne ça, on injecte derrière. On envoie le loyer modéré, le machin, l'APL, la LOC, le truc et le je sais pas quoi. Et si tu fais le salaire moyen du français, va sur le site de l'INSEE, tu vas voir. Je veux même pas te le dire tellement ça fait peur. Le salaire moyen du français, il est quand même assez relativement élevé quand même. Il est relativement élevé. Et dans le pays, ben tout le monde est gros. Même ce mec, on aurait pu se dire, tiens, celui qui gagne pas beaucoup d'argent, il est tout maigre, puis celui qui gagne beaucoup d'argent est énorme. Eh ben non.
Si tu fais le tour, eh ben, tout le monde est gros. Les qui gagnent de l'argent ou pas, tout le monde a un gros cul. Tout le monde bouffe trop. Allez, bonne nuit, Marc, jingle. Tous les soirs. Radio. Radio libre. Radio libre. Bon, allez, on appuie. On appuie, ici. Alors, qui va là, je te prie. Oui, qui es-tu? Michel, là. Quel âge as-tu, Michel? Ah, quand même, 50 balais. Où es-tu? Pardon? Où es-tu? Agent, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'amène? Oui. J'ai beaucoup de... Attends, bouge pas, je baisse la radio. Hein. Vas-y. Une seconde, hein. Baisse la radio, Michel. C'est bon? Ouais, vas-y. Donc, alors, je vais te dire, alors, écoute, je vais essayer d'être synthétique, hein. J'ai plusieurs questions à te poser, là. Mais tu m'entends, là, bien? Je t'écoute, Michel. Sur un portable, là. Hein. Ouais, ça va pour le moment. Le premier truc, t'es journaliste. Quoi? Tu es journaliste. Quoi, je suis journaliste? Pas tu, t'es journaliste. À Sud Radio. Non, je ne suis pas à Sud Radio, Michel. Je suis... Maurice Radio Libre, c'est une syndication de radio. C'est-à-dire que moi, je suis au Rock'n'Roll Studio à Paris. On nous entend sur plusieurs radios. Là, on nous entend sur Sud Radio pour toi. Et puis, pour d'autres, c'est sur FC Radio. Pour encore d'autres, c'est M99 Media, etc. T'as des employeurs, quoi. A priori, t'es journaliste, quand même, non? T'as ta carte. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je te demande ça? Parce que je trouve lamentable de prendre position comme tu le fais, par rapport notamment, bon, je pense à l'affaire Beauvais. Ça, c'est le premier truc. On fait son boulot, à mon avis, quand on essaye d'avoir la part des choses, et pas prendre position comme tu le fais. Ça te gêne que je dise ça? Non. Le premier truc. Non, Michel, ça me gêne pas que tu dises ça. Ça te gêne pas? Non, du tout. On continue. Deuxième truc, sur le fond, tu te tentes complètement, c'est à mon avis, hein, par rapport à ce que tu dis de l'affaire Beauvais, au-delà de ce que ça signifie. Et puis, juste avant que je tire l'appareil, il y a quand même un truc qui me... Ben, moi, je comprends pas, quoi. Ou alors, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est Le Pen qui cause. T'es en train de dire que les mecs au SMIC, ils grossissent parce qu'ils ont trop de pognon qui dépendent des grandes surfaces. Ben, c'est pas possible, ça. Alors, je vais quand même t'expliquer, puisque tu ne comprends pas la langue de chez nous. En ce qui concerne Le Pen, je suis certain qu'il y a plus de chances pour que tu aies, toi, les idées de ce monsieur que moi. Pour la bonne et simple raison que dans, entre toi et moi, le nègre, c'est moi. C'est-à-dire que lorsque monsieur Le Pen invite les gens à faire très attention à leur fréquentation et qu'il regarde donc comme ça, qu'il passe, c'est moi qui le regarde, c'est pas toi. Il y a plus de chances pour qu'on trouve des mecs comme toi chez lui que de mecs comme moi, si tu veux. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, prendre position. Oui, je prends position. Jusqu'à maintenant, tout le monde a applaudi. Il y a Nathalie Marty qui a fait son travail, qui est juge d'instruction à Millau, qui a pris parti, qui en a pris plein la gueule d'ailleurs. Et l'essentiel du pays a pris parti, a choisi de dire que Joseph Beauvais c'était mec magique, tout ça. Moi je dis que ce n'est pas quelqu'un de magique et je dis que ce type et que ceux qui sont avec lui sont des gens effrayants qui me font peur. Qui me font peur. Les gens qui parlent en tapant, en cassant, sont des gens qui me font peur. Et a fortiori, quand ils sont à la tête de mouvements et de je sais pas quoi, et qu'on leur donne la possibilité de continuer, de poursuivre dans cette voie. J'ai très peur, ils me font peur. Ce sont des gens qui mettent la démocratie en péril. Voilà ce que je pense. Voilà, Michel. C'est à toi. Tu m'écoutes ou pas? Oui, j'espère que tu m'as entendu. Ah, j'ai entendu, oui. Bon. Mais t'as coupé, là, je suppose. Là. Oui, j'ai coupé parce que je savais que tu parlais en même temps. Mais non, mais c'est toi qui parles. T'es payé au nombre de mots par minute ou quoi? Non, je suis payé pour 3 heures, moi. Ah ouais? Tous les soirs. Tu parles tout seul, le problème c'est ça, c'est que tu parles tout seul. C'est pas un problème, tu sais, quand tu regardes tes informations à la téloche, le mec qui te parle, il parle tout seul aussi. Quand tu fais tes jeux à la téloche, il parle tout seul, le journaliste qui écrit ça, lui aussi il parle tout seul. Moi je te donne la possibilité d'essayer d'en placer une. C'est énorme comparé aux autres. Tu devrais pas me regarder de travers. C'était la 772e, déjà 2316 heures. Blast ! À demain. Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.